Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en direct pour suivre la 8e manche de ce championnat des GTE Series by FFSA. J'espère que vous allez bien. On va vivre ensemble une manche d'endurance, 1h30 de course ce soir. On espère que ça va vous plaire. On va d'abord poser les piliers de la soirée avec le cadre de cette course. Nous sommes sur la piste du circuit Gilles Villeneuve, évidemment au Canada. Nous sommes au Québec. Bonsoir le chat. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'avoir choisi de passer votre soirée en notre compagnie. C'est mercredi, c'est le mois de septembre, c'est la rentrée des classes pour certains et c'est la rentrée de la FFSCA qui, en plus du championnat BTCC, IndyCar et Porsche Super Cup, reprend aussi du service du côté du GTE Series. Donc vous découvrez donc la piste qui nous accueille ce soir, c'est le circuit et Gilles Villeneuve. Le calendrier, vous allez l'avoir tout de suite. Voilà, avec une manche qui a été annulée, hein, celle du Mans, évidemment, avec des soucis, puisque le circuit ne fonctionnait pas sur la build. Enfin bref, typical air factor de problème. La manche de Mosport avait été disputée, mais nous n'avons pas pu la retransmettre, tout comme Sonoma, pour différentes raisons techniques. La playlist est disponible sur YouTube, évidemment, mais ne vous inquiétez pas, on sera là le 21 septembre en direct pour le circuit de Spa-Francorchamps que l'on ne manquera sous rien et sous aucun prétexte, évidemment. Je suis sobre, évidemment. Ne vous inquiétez pas, je suis un peu excité parce que c'est la reprise, ça y est. Ça fait longtemps qu'on attendait ça et justement, on n'est pas les seuls, il y a des pilotes qui attendent. Alors ce soir, ils sont une petite quinzaine pour l'instant sur le chat. Le briefing vient de se terminer sur le TeamSpeak que l'on a sous les yeux. Vous découvrez le classement général à l'issue de ces quelques manches. Il y a encore beaucoup de rounds, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais pour l'heure, c'est Anthony Hans qui mène les opérations avec 293 points devant Julien Rosé, David Lespèce, Benoît Daubert, qui était venu titiller les premières personnes les premières personnes du championnat, lors de sa venue, au volant d'une Porsche. J'ai quelques informations qui me viennent par la direction de course et vous découvrez donc la suite du classement. Un petit point également sur les pneumatiques, c'est toujours bon à prendre. Voici donc, je suis fatigué, navré. Voici donc les gommes qui sont à disposition des pilotes. Vous reconnaîtrez ces voitures avec les différentes compositions qu'elles auront chaussées avec les bandes de couleurs tendre, médium et hard. Je pense que les intermédiaires et les pluies vont rester dans les box ce soir. Ce soir, justement, voici à quoi nous devrions nous attendre avec une séance qualificative qui se déroulera en deux parties, la Q1 et la Q2 avant le warm-up et la mise en grille. 6 minutes pour venir rejoindre cette grille de départ avant le début des hostilités. Ce sera aux alentours de 22h20 pour 90 minutes de course. Les premiers pilotes, vous l'entendez peut-être, sont en train de quitter la pit lane. On va découvrir la Q1 d'ici quelques secondes. A tout de suite. Et après cette courte pause, nous partons tout de suite vivre la séance qualificative qui vient de débuter. On vous le rappelle, deux sessions de 10 minutes et les 10 premiers passeront en Q2 pour déterminer les 5 premières lignes de la grille de départ. Vous avez actuellement à l'écran le circuit en lui-même, circuit Gilles Villeneuve, 29 degrés dans la température ambiante et 29 degrés sur la piste même. Donc je peux vous dire qu'il fait plutôt bon et qu'on va éviter les nuages et la pluie ce soir si tout se passe bien. Ce qui a l'air d'être le cas. Si vous êtes sur le chat, merci. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vous dis d'ailleurs, alors il y a quelques nouveautés, notamment au niveau des livrées et des voitures. On va passer tout ça en revue au fur et à mesure de la soirée. Il va falloir reprendre le rythme, évidemment. Ici, Anthony Hans qui va s'élancer pour un tour rapide, le premier de la soirée. On va embarquer avec la BMW.
pour eh bien, découvrir un tour rapide de cette piste ici au Canada. Allez, on embarque dans la BMW. La première chicane, on va dire, d'un tour rapide, c'est réussir à s'extraire de ce droite-gauche très serré, baptisé le mur des champions depuis un certain Grand Prix, où évidemment, je crois, Damon Hill, Jacques Villeneuve et Michael Schumacher ont terminé leur course en 97, si je ne dis pas de bêtises. Le premier virage qui risque d'être le théâtre de quelques accrochages lors des premiers tours, avec un gauche-droite en tire-bouchon. Ici, un virage à l'aveugle en butée, où on va descendre sur un droite-gauche, où il va être compliqué, avec des pneus usés, eh bien, de ne pas aller titiller le mur. Vous voyez ici qui est juste à droite, donc on va frôler le béton à plusieurs reprises sur un tour rapide ici au Canada. Le freinage qui termine le premier secteur avec, vous le voyez, pas mal de dérives du train arrière de cette BMW. Drapeau jaune dans le premier secteur. Que se passe-t-il? On a peut-être des informations à aller cueillir. On va aller voir ça du côté du live timing. Évidemment, le live timing qui est disponible, je le passe à nos amis viewers. Si vous voulez avoir un petit clin d'œil sur ce qui se passe, c'est dans le chat. Vous pourrez suivre l'évolution de chacune des voitures de ce soir. Et pour l'instant, c'est Anthony Hans qui fait l'un des meilleurs tours dans le premier secteur. Et dans le deuxième, c'est Logan Joyeux. Et Gilles Châtelain est le premier à avoir entré un chrono. De notre côté, battu à l'instant par Logan Joyeux, Thomas Pinotto. Ça va bouger. On reste avec Anthony Hans pour compléter ce tour. Pas de DRS, évidemment. Nous sommes en GT ce soir, des GTE, avant de découvrir peut-être bientôt ce que sera la FFSA l'année prochaine, avec un nouveau championnat et de nouvelles montures qui viennent d'être dévoilées pour R-Factor 2. Et vous le voyez, on va compléter un tour de cette piste ici avec Anthony Hans, donc vous le voyez, qui passe devant nous. Et on va pouvoir faire eh bien, un premier bilan à la mi-session, à la moitié de cette Q1, pour savoir qui eh bien, mène les opérations. C'est bien évidemment Anthony Hans, on ne s'attendait pas à moins de la part du pilote belge, vient d'entrer à 1.33.450 juste devant Nicolas Payès, la plus véloce des Ferrari, 458 dans ce championnat. Romain Thomas, une autre BMW. Alors les voitures avantagées pour le coup, eh bien ici on parlera évidemment de la BMW, de son moteur qui devrait faire parler d'elle dans le troisième secteur, la relance et le placement dû au moteur avant qui pourrait faire des merveilles. Logan Joyeux 5e avec une livrée qui devrait faire plaisir à l'un de nos modérateurs présents ce soir. Un petit point historique, Thomas Pinotto 6e avec l'Aston Martin du team GW Motorsport. Une autre BMW, il y en a beaucoup décidément. Qui suit la première Porsche pour l'instant, c'est William Legrand, 9e devant Fabrice Piaia. Paul Filho, un nouveau, du moins dans ce championnat, pas mal de nouveaux pilotes ce soir. Vous allez découvrir quelques noms et on a hâte de voir ce que eh bien, tout ce petit monde va donner. Avec un nom d'équipe assez simple, le Triple One by GTO Racing. Laurent Bougazzi poursuit sa saison avec la Ferrari, on est ravis de le retrouver également. Sébastien Garcia n'est pas encore titulaire d'un chrono, c'est par contre le cas dorénavant pour Olivier Vignon, le pilote du Real Championship qui évolue sur pas mal de structures, notamment le tout récent F1 2016. Et ici, eh bien, on sent qu'Olivier Vignon a besoin de se remettre un petit peu dans le bain après une intersaison dont ils ont tous bien profité. Julien Rosé, 8e, on redescend un petit peu dans le classement puisque les pilotes continuent de rentrer leur chrono. On va suivre peut-être Paul Filho, le nouveau. On va le baptiser ainsi, c'est amicalement bien entendu que l'on fait comme ça. Voilà, et il rentre le 13e chrono alors que David Lespèce vient de s'emparer de la première position avec la BMW numéro 51. La voiture de Blue Sky Racing. Et pour l'instant, 14 pilotes ont rentré un chrono. Il reste 3 minutes 47. Est-ce qu'Anthony Hans peut retenter quelque chose pour récupérer cette pole position qu'il vient de perdre pour l'instant? Alors, Nicolas Payès ne roule pas. Si, bien entendu, le voici, Nicolas Payès. Il est 3e. Alors, les modes utilisés pour ce championnat, nous sommes sur base d'un mode URD, évidemment. Le très bon mode URD qui a proposé des GT3 de qualité. Avant de passer sur le mode GTE Series. Et oui, le live timing qui est bien pratique. Remontez vers le haut du live si vous souhaitez le découvrir. Ça vous permet de suivre l'évolution des pilotes en piste. Le nombre de secondes restantes. Drapeau jaune dans le deuxième secteur qui est allé. Oh, il y a une voiture qui est arrêtée, effectivement. Ah, et c'est Paul Filho qui a stoppé. Le moteur semble tourner. Alors, petite règle qui est
qu'il est bon de rappeler évidemment. Si un pilote stoppe et qu'il ne peut pas repartir et qu'il appuie sur la touche échappe, eh bien ça provoque l'élimination directe de ce pilote, tout simplement. Pas de possibilité de faire échappe et de repartir en tout cas. Mais si vous faites échappe, c'est terminé pour votre session, tout simplement. C'est inscrit dans la réglementation. Alors, est-ce qu'Anthony Jans va pouvoir se lancer pour un dernier tour? Oui, il reste 2 minutes 30, sachant qu'on tourne en 1 minute 30 ici, pas de problème. Logan Joyeux qui est pour l'instant 5ème. Les BMW sont aux avant-postes. La belle 7ème place de Thomas Pinotto pour l'instant avec l'Aston Martin. Toujours drapeau jaune dans le 2ème secteur. Et ça a touché le mur derrière pour Olivier Vignon. Attention, Gilles Châtelain qui stoppe. C'est toujours agréable d'avoir un pilote qui stoppe. On embarque dans l'Aston Martin. On espère d'ailleurs qu'au niveau du son, ça fonctionne bien, puisque les voitures font peut-être un peu beaucoup de bruit. Donc n'hésitez pas à dire si ma voix est un petit peu saturée en onboard, etc. pour refaire les niveaux. Je suis sorti évidemment à ce qui se passe sur le chat. Ce qui se passe en piste est également intéressant, avec moins de 2 minutes dans cette Q1 pour déterminer qui seront les 10 pilotes à participer à la Q2 qui se déroulera d'ici quelques minutes. Nous sommes toujours en session qualificative avant la course d'une heure 30 qui suivra ce soir, départ aux alentours de 22h. Si on a de la chance, on sera dans les timings. En tout cas, 1 minute 30, drapeau jaune dans le troisième secteur. Qui est allé titiller le gazon? Ah, et c'est Paul Philo qui est à l'envers. Alors, serait-ce une déconnexion? Je pense que lui, c'est terminé pour Paul Philo. Malheureusement, bon, qualification courte pour le nouveau pilote arrivant. Alors que devant, pour l'instant, c'est une Ferrari qui est en tête. David L'Espèce, qui est troisième, pardon, derrière les BMW de David L'Espèce et Anthony Jans. Vous avez d'ailleurs la Ferrari numéro 31 de Nicolas Payès qui est en train de presque même gêner un pilote de la Blue Sky Racing, évidemment. C'est David L'Espèce qui est en pole pour l'instant. La course fait effectivement 90 minutes. Et Anthony Jans qui vient de récupérer la pole. Et bien voilà, fallait pas attendre longtemps. David L'Espèce qui a du monde devant lui, ça va peut-être le gêner. Et il va lancer un dernier chrono. Alors on rappelle évidemment qu'à la fin du temps officiel, les pilotes dans un tour rapide pourront le terminer sans être gênés, évidemment. Et David L'Espèce qui va peut-être récupérer la pole d'ici un tour. Nicolas Payès lui met un terme à sa séance de qualification. Il sera en Q2. Julien Rosé, 4ème, semble également à l'abri. Olivier Vignon, 5ème, qui continue lui d'améliorer son chrono. On va terminer le tour avec le pilote français de la Ferrari. Et la structure Real Championship qui avait amené d'autres pilotes au fur et à mesure de la saison. On avait notamment Mathis Hébert qui a fait une apparition en début de saison mais qui ne s'est pas réinscrit. Oh, le survirage dans la dernière chicane. Contrôlé à la limite. Et vous voyez le drapeau à damier qui est abaissé. Et c'est terminé. Est-ce que ça va améliorer pour la Ferrari? Et non, on reste 5ème du côté d'Olivier Vignon. Qui reste-t-il en piste pour l'instant? Romain Thomas, 7ème, qui est en train d'améliorer. Gilles Châtelain, 10ème, pourrait se mettre à l'abri s'il améliore son chrono. Et derrière, malheureusement, William Legrand ne pourra pas améliorer avec la Porsche. Mais écoutez, je pense que la messe est dite pour le top 10 de cette Q1. Allez, on fera un tour, évidemment, caméra embarquée avec les différentes voitures. Et David L'Espèce qui en termine. On brûle ce qu'il reste de gomme. Écoutez, il ne reste que Logan Joyeux qui est un petit peu en retard, mais pas tant que ça, dans le top 10. Et Romain Thomas qui est en train d'améliorer. Alors ça, c'est pour l'honneur, puisque ça n'a plus vraiment de sens. Est-ce qu'on va rentrer peut-être tout de suite? Ça ne sert à rien de prolonger. Si, il va quand même terminer son tour, le pilote de la voiture numéro 42. Peut-être déjà une guerre psychologique, hein. On en est capable ici. Allez, c'est terminé à la 4ème place pour Romain Thomas, finalement. Belle performance. Logan Joyeux est en retard dans ces deux secteurs. On va attendre Gilles Châtelain, 10ème, et qui, je pense, va rentrer. Et donc, c'est terminé pour cette première séance qualificative. Non, on va terminer le tour. Alors, on espère que... Oh là là, qu'il le terminera aussi. Non, c'est terminé pour la voiture numéro 77. Allez, on va marquer une courte pause. On se retrouve tout de suite pour vivre la deuxième séance qualificative, la Super Pole, avec les 10 pilotes les plus rapides de ce soir. On vous invite également à partager ce live sur les réseaux sociaux, parce que, comme vous le savez, plus on est de fous, plus on rit. Toutes les informations pendant les pauses, c'est dans la description. A tout de suite.
Et le feu vert qui vient d'être présenté aux pilotes, on retourne au direct avec les 10 minutes de la Super Pole. Et le premier en piste, c'est le pilote Ferrari, Nicolas Payès, la voiture numéro 31, qui sera donc logiquement la première à nous rentrer un chrono ce soir. On retourne également du côté du live timing. Si vous ne l'avez pas sous les yeux, on vous le partage maintenant dans le chat. Voilà, si vous souhaitez suivre toute l'action en piste, c'est ici que ça se passe. Drapeau jaune déjà dans le premier secteur. Bah, dites donc, ils sont chauds, la voiture numéro 77. C'est Gilles Châtelain. Alors, est-ce qu'il a tapé? Visiblement, non. Ça a l'air d'être une réaccélération un peu rapide. Alors, je crois que c'est un homonyme, hein, Romain Thomas. À moins que le garçon joue au football en D1, effectivement. En Ligue 1, pardon. Alors, Olivier Vignon également. Je pense que les 10 pilotes sont en piste. Il n'y a personne pour l'instant au box. On va suivre la première voiture à rentrer un chrono, ce sera Nicolas Payès. Alors ici, les choses sérieuses commencent, hein, pour tout le monde. La pole position, 10 minutes pour la déterminer. Il ne va pas falloir se rater parce qu'on a 3, peut-être 4 tentatives, mais après, il n'y a plus de pneumatique. Restez avec nous, évidemment, on va retrouver le poleman en interview pendant le warm-up. Allez, on embarque avec la Ferrari, montez le son et profitez d'un tour avec Nicolas Payès. C'est parti. Ça attaque très très fort, hein, vous l'entendez, dans ce tour rapide. Pour Nicolas Payès, on revient en vue poursuite sur le pilote de la Ferrari. Au niveau des premiers secteurs, c'est bien lui le plus rapide en 27-554, battu à l'instant par David L'Espèce, 27-266. Ah, déjà 3 petits dixièmes d'avance pour David L'Espèce. Alors, à quoi sert la Q1 si tout le monde peut rouler à nouveau? Alors, la Q1 permet aux 15 pilotes présents ce soir de pouvoir tenter leur chance d'être en Q2. Et la Q2 est réservée aux 10 premiers pilotes, simplement. Afin d'avoir une piste un peu plus dégagée. Allez, le premier tour couvert par Nicolas Payès dans cette Q2. Mais c'est pas le plus rapide. Anthony Hatz qui vient de mettre tout le monde d'accord avec un 27-183 dans le premier secteur. Nicolas Payès s'empare logiquement du meilleur temps. Mais on va suivre les aventures de David L'Espèce qui était plus rapide, notamment dans le deuxième secteur pour un dixième. Alors, est-ce que ça va passer pour David L'Espèce? Oui, meilleur temps pour David L'Espèce. Maintenant, il faut aller suivre Anthony Hans du Team Spirit Racing. Septième position, huitième position. Vous voyez, tout le monde rentre un chrono. Pour l'instant, c'est bien David L'Espèce devant Nicolas Payès et Julien Rosé qui fait une belle troisième place pour l'instant, battu à l'instant par Romain Thomas qui s'empare du troisième temps. Parce qu'on va croire que j'ai racheté ce circuit J. Villeneuve, beaucoup de publicité. C'est assez hallucinant. Allez, on conclut le tour pour Anthony Hans et c'est la pole pour le pilote belge du Team Spirit Racing en 1:32.900 tour rond. À moins de 6 minutes de la fin de la séance. Drapeau jaune dans le premier secteur. Eh oui, c'est arrêté pour Romain Thomas. Oh, ça a été tapé même pour Romain Thomas. Que se passe-t-il pour le pilote BMW? Est-ce qu'il y a des dégâts? La boîte est peut-être bloquée. Hein. Non, il attendait simplement que la piste se libère pour repartir et ne pas gêner ses petits camarades. Le drapeau vert est de nouveau brandi dans le premier secteur. Et ça repart de plus belle pour tout le monde. Ça améliore pour David de la salle avec l'une des BMW qui glisse beaucoup du train arrière dans cette épingle. Assez intéressant. Le cap de la mi-séance qui va être atteint maintenant. Et on a déjà une première idée de ce que sera la grille de départ. Elle commence à se dessiner sous nos yeux. Vous avez en bas à gauche, si vous êtes en qualité source, évidemment, eh bien, le top speed, le radar au bout de cette ligne droite et on se fait aspirer. C'est pas une mauvaise méthode pour
le pilote Aston Martin de la voiture numéro 80, je crois, Thomas Pinotto, si je ne dis pas de bêtises exactement, qui s'est fait un petit peu aspirer et David de la Salle se retrouve 9e. Gilles Châtelain qui améliore d'une bonne seconde son chrono. Est-ce qu'il peut s'améliorer? Effectivement, il prend la 9e place au détriment de David de la Salle qui venait de terminer son chrono. Yanns qui rentre après un premier run. Nicolas Payès qui améliore, intéressant. Quand on voit que l'écart est de 8 dixièmes de seconde avec la pole, on se dit que ça peut encore bouger, notamment pour la deuxième place. On joue une première ligne, et au Canada, une première ligne, c'est assez intéressant. Voyez, on bloque les roues. Pas d'informations sur la stratégie. On questionnera d'ailleurs Anthony Yanns s'il conserve sa pole position au sujet de cette gestion des pneus ici au Canada. Est-elle un facteur important ? Allez, Nicolas Payès qui va conclure avec deux secteurs dans le vert. Ça peut être une première ligne qu'il va chercher sans souci. Ça se joue au centième de seconde, mais ça pourrait le faire. Et effectivement, ça s'améliore, mais ça ne suffit pas pour aller chercher la deuxième position détenue par David Lespès en tour de sortie. Romain Thomas également en tour de sortie. Allez, Logan Joyeux qui a fait un bon premier secteur, mais pas un deuxième. Parce qu'au global, ça peut lui améliorer sa sixième place. Et non, 3 dixièmes de retard. Il reste un peu plus de 3 minutes dans cette super pole. Et qui est en train d'améliorer. Beaucoup de pilotes relancent un tour à l'heure actuelle dans cette session. Par contre, Gilles Châtelain en termine, lui, avec son run. Sachant qu'on tourne dans 1 minute 30, ils ont encore quelques... dizaines de secondes avant de ressortir pour le dernier run de la soirée. Thomas Pinotto donc dans un tour rapide. David de la Salle également. Ils sont l'un derrière l'autre au classement. Oh, ça a freiné tard. Ça a freiné tard pour de la Salle. Quelques dixièmes ou quelques centièmes de perdu là dans ce S. C'est un petit peu dommage. Thomas Pinotto 8e. Qui suit hein. Donc il va pouvoir voir si c'est nécessaire d'améliorer ou pas. Partir depuis cette 4e ligne. Et bonsoir à toutes celles et ceux qui nous rejoignent sur le live. Merci d'avoir choisi de passer votre mercredi soir en notre compagnie. C'est la rentrée pour la FFSA et les GTE Series avant de laisser place à la Porsche Super Cup. Et le chrono qui s'améliore pour Olivier Vignon à 2 minutes exactement de la fin de cette Q2. La super pole donc. Et demi-seconde d'améliorer là dans le deuxième secteur. C'est pas mal ce que fait la Ferrari. Alors on va suivre la lutte avant pour ce qui se passe derrière avec David de la Salle, 9e. Est-ce qu'il peut améliorer son chrono après un bon premier secteur de 3 dixièmes de mieux? Non, il reste 9e. Par contre, Thomas Pinotto est passé. Non, 8e, ça ne bouge pas. Alors Gilles Châtelain, lui ne bouge pas non plus. Nouveau tour lancé pour Nicolas Payès. On va suivre la fin du tour qualif d'Olivier Vignon. La 7e place peut être mieux au bout de ce tour. Et la 4e, la 2e ligne pour la Ferrari rouge et noir. Ça s'annonce bien pour Olivier Vignon. Derrière une autre Ferrari qui reste la plus rapide en piste depuis le début de ce championnat. Celle de Nicolas Payès. Et ensuite une première ligne verrouillée par la marque bavaroise avec Yanns en pole devant. Et David Lespès qui vient de relancer un tour. La lutte pour la qualification n'est pas terminée. Il reste une pole à déterminer. C'est pas fait. Peut-être que Lespès peut remonter. Pourquoi pas. Gilles Châtelain qui continue avec un nouveau tour rapide. Anthony Yanns en tour de sortie. On va suivre David Lespès qui lutte pour la pole à 40 secondes de la fin de cette séance. Exactement. On passera sur le mode Simtech retravaillé pour les GTE. À partir de 2017 et un tout nouveau championnat. Vous pouvez déjà aller titiller le forum dans la description de ce live Twitch, dans les petites tuiles en dessous. Il vous suffit de cliquer sur le logo FFSCA pour découvrir ce qui se passera, notamment l'année prochaine. Drapeau jaune dans le premier secteur. Ah, et Romain Thomas qui est parti à la faute. Il peut repartir fort heureusement. Allez, Nicolas Payès qui a 8 secondes va pouvoir lancer une dernière tentative dans cette soirée. Et l'amélioration de David Lespès d'un bon dixième de seconde alors que la séance est terminée. Lui n'aura plus d'autre chance. Il va falloir
être attentif à la dernière chicane pour David L'Espèce. Deux secteurs dans le vert, personne pour le gêner. Peut-être la pole au bout de ce tour pour le pilote BMW. Et un premier secteur absolu en 27-134 dans le mauve sur notre live timing. On y va allègrement sur les vibreurs, peut-être un peu de temps perdu. Voilà, la séance est terminée. Le drapeau à damier qui s'abaisse, la pole peut-être pour David L'Espèce. Et oui, la BMW numéro 51 qui s'adjuge la pole pour l'instant. Et Anthony Yates est en retard d'un dixième. La voiture d'Anthony Yates en retard, ça va peut-être pas suffire. Est-ce que c'est finalement David L'Espèce qui s'élancera en pole? Alors Anthony Yates qui ne pourra peut-être pas, à moins de sortir un très gros troisième secteur amélioré. Tout le monde est dans le rouge, peut-être Logan Joyeux sixième est en train d'améliorer. Non, je pense qu'Anthony Yates là vient de se faire shipper la pole par David L'Espèce dans cette super pole justement. Eh bien oui, ce sera la deuxième place. Nicolas Payès qui améliore, on va le suivre tout de même. Avec deux premiers secteurs dans le vert. Pas grand chose, hein, mais bon. Ça paraît loin pour aller chercher une deuxième place et ce sera bien. La troisième, la quatrième pour Olivier Vignon, la cinquième pour Romain Thomas, la sixième pour Logan Joyeux qui s'en sort mieux. Puis qu'il est passé avec la BMW. Julien Rosé 7e, Thomas Pinotto 8e, 9e de la salle et Châtelain 10e. Voilà ce qu'il y avait à retenir pour cette super pole ce soir. On se retrouve eh bien, écoutez, dans quelques instants pour vivre l'interview du poleman. A tout de suite. Like the attention, girl, I know you. But you're everything I want in life. We're fighting danger like Kung Fu. The love I feel is deep inside. The others don't matter. It's honestly us against the world. We're the perfect team. You're my dream. If you ever need a helper, hey, you should know that I'll be there day and night. Nobody else can love you better. I'm here just to treat you right. You're the reason I'm alive. Et de retour en compagnie de David L'Espèce dans la cabine. Bonsoir David. Bonsoir Maxou. Et bien voilà, une rentrée qui s'annonce bien pour toi ici au Canada avec la pole position qui a été dure à aller chercher avec un Anthony Yates bien résistant. Raconte-nous un peu ta qualification. Bah écoute, en tout cas je suis super content parce que c'était, bah, c'était la première hein, avec, avec la BM pour nous. Parce qu'on a, voilà, on a changé encore de bagnole, on est passé de la Viper à la Corvette à la Z4. Effectivement. Ouais, on essaye un peu tout. En prévision et... l'année prochaine peut-être? Non, parce que l'année prochaine ce sera le GT3. Ce sera du GT3, ce sera pas sur le même mode, donc de toute façon, non, c'est pas du tout en prévision de l'année prochaine. Non, c'était plus pour se battre à armes égales avec Anthony. Au moins, voilà, il y a que le pilote qui fait la différence. Et du coup, ben voilà, c'est hyper serré et bon, ça a été dur. Hein, franchement, j'étais en mode attaque super maximum. J'ai pris tous les risques dans la dernière chicane sur le dernier tour. Ça a payé. Je sais pas si je pourrais faire tous les tours comme ça pendant la course, pardon. Par contre, ça m'étonnerait. Oui, on a vu que tu as. On a dit, bon, il faut qu'il sorte un bon troisième secteur et tu as oublié complètement la dernière chicane. tu as décollé littéralement. Ouais, j'ai joué un peu à saute-mouton, ouais. En restant bien sûr dans les limites de la piste, hein, ça, on en est normalement sûr et certain. Il n'y a pas de réclamation portée, tout va bien, tout se passe bien. Une course de 90 minutes donc sur une piste comme le circuit de Montréal avec des secteurs plutôt sinueux, le deuxième et un secteur 3 très rapide. La BMW a un bon moteur, effectivement, on le sait, c'est un de ses atouts.
Moi, j'aimerais parler avec toi d'une chose, ce sont les pneumatiques. Est-ce qu'au niveau de la stratégie, ce soir, la piste va vous poser souci, ou quels sont les points à tenir à l'œil avant une course de 90 minutes ? Non, il n'y aura pas de, souci d'usure. Après, ce sera vraiment de savoir, en gros, comment, quelle stratégie vont adopter les uns et les autres. Est-ce qu'il y en a qui vont partir en dur ? Est-ce qu'il y en a qui vont partir en médium ? Est-ce que éventuellement, je sais pas, s'il y a un safety car à un moment ou à un autre, il faut rentrer pour mettre des softs. Enfin, je sais pas trop. Mais en tout cas, au niveau de l'usure, non, je me fais pas de soucis du tout. Surtout qu'on a une option supplémentaire maintenant, parce qu'on a deux types de pneus médium, donc ils vont être à peu près identiques. Mais non, c'est. Je m'inquiète pas pour l'usure, quoi. Alors, donc la séance qualificative qui s'est bien passée, donc pas de soucis effectivement pour l'usure. Donc voilà, une course qui s'annonce bien avec une pole qui a été compliquée à prendre, mais comme toutes les poles, j'ai envie de dire. Donc, écoute, on ne va pas. On va pas tout de suite te libérer. J'ai une dernière question à te poser. Que penses-tu de la BMW ? Puisque tu as testé trois voitures, comme tu as dit. Donc d'abord la Viper, puis la Corvette et enfin la BMW. Bon choix pour toi ? Ah oui, je pense. Hein, parce qu'on était quand même assez loin d'Anthony avec la Viper et la Corvette. Et bon, du coup, oui, bon choix. Après, je suis un petit peu moins... pas à l'aise, mais enfin, si tu veux, moi j'aime bien les voitures qui ont beaucoup de couple. Oui. Donc, d'où les américaines. Voilà, d'où les américaines, exactement. La Z4 en a un petit peu moins. Par contre, elle est extrêmement bien équilibrée, elle est très facile à piloter. Et puis du coup, le fait qu'elle ait un petit peu moins de couple, elle est beaucoup plus facile à emmener en sortie de courbe. On peut mettre pied dedans sans trop avoir de crainte que l'arrière veuille passer devant, quoi. Bah écoute, au moins on a bien ton ressenti. Écoute, on va te laisser te reconcentrer parce que c'est pas facile de venir discuter comme ça. Merci pour ton temps et on te souhaite à toi et à tout le reste de la grille bonne chance pour ce soir. Merci beaucoup, David. Merci, Maxo. Allez, on se retrouve de notre côté pour vivre d'ici quelques instants les dernières minutes du warm-up. A tout de suite. Et de retour pour vivre le warm-up, nous sommes dans les dernières minutes de ce warm-up justement, il reste 3 minutes, pas tant d'importance que ça, si ce n'est une dernière possibilité pour les pilotes de balancer la voiture et de la régler avant la course avec le poids notamment, les bons pneus, etc. etc. Petite remarque, on a vu quelques nouveaux pilotes derrière qui se faisaient remarquer, j'espère que tout se passera bien au niveau du départ parce que ce que j'ai vu en off me fait un petit peu peur, bref, il reste 3 minutes exactement, c'est parfait. Dans cette séance warm-up avec pour l'instant Anthony Hans qui s'est remis de sa qualification, le pauvre, c'est une des rares fois il ne sera pas en pole, il a été battu par une autre BMW et on va voir comment tout cela va se dérouler. Est-ce que les BMW vont justement profiter de leur sortie de virage un peu plus aisée que les Ferrari? On sait que les Ferrari freinent très bien, donc ça peut être une bonne opportunité. On sait qu'Olivier Vignon est dans un bon jour. Est-ce qu'il y a pas mal de choses qui peuvent se passer ce soir? Et bien malin celui qui pourra nous donner avant le départ le nom du vainqueur. En tout cas, ce soir, nous sommes au Canada, le circuit Gilles Villeneuve. On va vous montrer
une dernière fois pendant la mise en grille. Tout cela avec, vous l'avez entendu pendant l'interview, des composants de pneumatiques différents. Donc ça a un petit peu changé, il y a deux types de gommes dures. Plutôt qu'une gomme médium et une gomme tendre, donc la composition change. Pour ceux qui ne sont pas habitués, on va vous expliquer un petit peu. Tout simplement, le mélange de la gomme fait varier la capacité du pneu à être performant. Une gomme plus tendre, donc une gomme qui bouge plus, elle va rapidement chauffer et sera très performante sur une courte période. Une gomme plus dure va mettre plus de temps à chauffer, mais une fois à température, sa plage de fonctionnement sera beaucoup plus longue et beaucoup plus importante, mais avec une performance moindre comparé à un pneu tendre. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous. C'est intéressant de voir aussi comment les pilotes vont interagir avec ces choix de pneumatiques pour la course. Ici, pas de parc fermé, pas de soucis. Vous n'allez pas avoir un choix de gomme qui va vous empêcher de partir avec autre chose au départ. Ici, vous faites la qualification, vous tirez le plus grand gain possible de votre moteur et de votre bolide, et le résultat après, peu importe, vous aurez des gommes neuves pour le départ. Pour l'instant, c'est tout ce que peut vous dire. Drapeau jaune dans le premier secteur, mais jusque-là, pas de quoi paniquer. Une minute dans ce secteur. Paul Philo qui quitte les stands. Alors, deux drapeaux jaunes. Alors, le premier, c'est Romain Thomas qui a stoppé poliment au-delà des limites de la piste. Pourquoi ? Peut-être un simple réglage ou... écoutez, il y a peut-être des vessies à vider, hein, que voulez-vous ? Ça reste du sim racing, les enfants, hein, quoi qu'il arrive. Et bien voilà, la piste est redevenue sous régime de drapeau vert, donc ça semble reparti. Ah, pas pour tout le monde. Laurent Bougazzi qui a décidé d'inaugurer le mur des champions. Très bien, comme ça, c'est fait. Donc, le premier dans la liste, ce sera Laurent Bougazzi qui est allé taper. Alors qu'on va conclure ce warm-up avant de passer à la prix-grille. On va marquer une dernière pause ce soir avant de passer aux choses sérieuses et à la course. Alors, drapeau jaune dans le premier secteur. À 15 secondes de la fin de la séance, c'est un petit peu dommage. Oh, et c'est Logan Joyeux qui a tapé. Alors, l'avantage, c'est qu'ici, il ne faut pas de réparation. C'est un petit peu dommage. Alors, faut sortir aussi de ce bac à gravier. C'est pas toujours simple, hein, quand la voiture est plantée. Mais là, il manque une roue. Donc, écoutez, on va en rester là pour ce warm-up dont le meilleur temps a été réalisé par Anthony Jans. D'ici quelques instants, la pré-grille sera à suivre sur notre antenne. Restez attentifs, on se retrouve d'ici quelques secondes. A tout de suite. Après un choix musical douteux, vous en conviendrez, eh bien on se retrouve pour vivre l'après-grille, 6 minutes 30 pour quitter la voie des stands. Et on va voir qui sont les premiers à quitter justement cette voie des box avec Nicolas Payès qui est au bout de la pit lane et le feu passe au vert, formidable. Donc on rappelle, 6 minutes 30 pour aller venir se mettre en grille. Donc encore des possibilités pour certains pilotes de repasser par la case de stand s'ils ont oublié quelque chose, mais on espère que tout ira bien quand même, ce serait dommage.
On est parti quand même pour 90 minutes d'épreuve, ce qui n'est pas rien. 15 pilotes ce soir, une grille un petit peu amincie comparée à d'habitude, on a l'habitude. C'est très français, de compter près de 20 pilotes en piste. Là, il manque quand même un petit quart de peloton. C'est un petit peu dommage, mais bon, certains sont encore en vacances et ils n'ont pas encore tous pu, je pense, reprendre le chemin du bureau ou du salon pour piloter ce soir avec nous. Et on espère que vous serez de plus en plus nombreux à venir nous rejoindre. La porte est ouverte, évidemment, aux gens sérieux, tout simplement. Comme Nicolas Payès, qui lui partira troisième. David Lespèce lui sera en pôle avec la BMW blanche. Alors il y aura des BMW, ça va finir par être une coupe monomodèle tellement cette voiture est bonne face à ses petites amies, mais il y a encore quelques Ferrari qui font de la résistance, c'est plutôt bien, elles seront en deuxième ligne. Et après une troisième ligne BMW, une quatrième ligne BMW Aston Martin, une cinquième ligne BMW Aston Martin, une sixième ligne Ferrari Porsche William Legrand, la première Porsche. Vous avez le son de la voiture plutôt ralenti là. William Legrand de la GM Motorsport. Alors il y a GM Motorsport et GW Motorsport, ne confondez pas les amis. Laurent Bougazzi, que l'on a vu tout à l'heure en difficulté dans le mur des champions pendant le warm-up, qui a pu repartir et qui termine les qualifications 13e. Il sera avec Paul Filot, Sébastien Garcia qui fermera la marche. Les premiers pilotes vont venir se mettre sur la grille, tout simplement. Alors, les premiers pilotes reviennent. La grille de départ va se former. C'est pas les premiers qui seront sur la grille. Les pilotes un peu plus en arrière. Vous voyez, le principe est simple. Revenez, récupérez votre position avant. Eh bien, le tour lancé, le tour de formation et le départ lancé surtout. Alors, je suis très attentif à ce qui se passe sur le chat. Justement, on nous demandait quelle était la motorisation. Alors, c'est du GTE Series. Donc, c'est un peu plus puissant, avec un peu plus d'aéro que le GT3, que l'on retrouvera l'année prochaine avec des voitures beaucoup moins dépendantes de l'aéro et un peu moins puissantes. Alors, la première ligne va se compléter. Formidable, on attend Tony Hans qui arrive. Donc vous voyez qu'il va y avoir pas beaucoup de distance avant le premier virage. On espère qu'on va pas perdre trop de voitures si accident il y a, parce que, eh bien, tout simplement, après plus grand monde pour 90 minutes de course, il faut en convenir. Et bonsoir à toutes celles et ceux qui nous rejoignent tout juste pour vivre le départ de cette épreuve. 22h pile, on est à 2 minutes près dans les temps. Effectivement, il va peut-être falloir revoir certains horaires. Et oui, c'est le décalage horaire du Canada, effectivement. Alors, est-ce que la grille est complète? Je pense qu'il ne manque plus personne. Si, Fabrice Piaia et Sébastien Garcia. Ils ne sont pas encore parmi nous. Allez, il reste 2 minutes. Quand il restera 1 minute, l'avant-dernière lumière va s'éteindre sur le haut de votre écran. Effectivement, salut nos amis québécois qui nous suivent. Un plaisir de vous compter parmi nous, que ce soit en piste ou dans les tribunes, c'est le cas aujourd'hui. Silence habituel avant de lâcher les chevaux. Il va falloir que je discute avec l'organisation parce que j'ai vraiment honte d'avoir racheté tout ce circuit de Montréal alors qu'on a d'autres sponsors, mais bref, passons sur ce détail. Bah écoutez, on fait une petite pause de quelques secondes et on se retrouve pour vivre le départ ensemble. Promis, je fais attention à la musique que je vous propose, mais avant, un petit rappel, la présentation du circuit avec les détails. Et avant que les pilotes ne s'élancent, on va jeter un dernier coup d'œil au classement général.
Et vous voyez qu'Anthony Hadd pourrait voir son avance fondre un petit peu. Voilà donc pour le classement. On se retrouve tout de suite pour vivre la course à dans quelques secondes. La course qui va débuter d'ici quelques instants. Voilà. Attention, ça va partir pour le tour de formation. Drapeau vert ici au circuit Gilles Villeneuve est l'occasion pour nous eh bien, de passer en revue cette grille de départ qui est composée de 15 pilotes que l'on espère retrouver tous à l'issue du premier virage. Départ lancé pour éviter à tout cela de Calais. Ah oui, je monopolise l'espace publicitaire de ce circuit Gilles Villeneuve. À ma grande surprise, je n'avais pas profité de la piste avant le direct de ce soir. Et c'est une surprise mitigée parce que bon, voilà. On va prendre ça après pour de la mégalomanie. Mais ne vous inquiétez pas. Alors, pneu orange, c'est pneu hard. Effectivement, on va vous faire un petit rappel de ce qui est des pneumatiques pendant que les voitures sont en train de passer par le tour de formation ce soir. Les gommes disponibles, vous voyez, avec les différentes bandes de couleurs. Allez, on va passer en revue la grille de départ de ce soir avec la pole position pour, non pas Anthony Hans, mais David L'Espèce. La première ligne est complétée par le pot de mal habituel, on va dire ça. Anthony Hans qui se retrouve donc deuxième. On va voir comment tout cela va se passer au premier freinage. La deuxième ligne est Sam Poulsen italienne avec la voiture de Nicolas Payès, troisième, la plus véloce des Italiennes devant Olivier Vignon qui a l'air en forme. Si la chance est de son côté, on pourrait avoir quelque chose de la part du pilote du Real Championship avec pourquoi pas un podium. La cinquième place pour Romain Thomas, tiens, une BMW. La sixième pour Logan Joyeux. La septième pour Julien Rosé. La huitième pour l'Aston Martin de Thomas Pinotto, Gilles Châtelain par 9e, 10e place pour l'une des Porsche normalement inscrites. Ce soir, il n'y en aura qu'une, celle du GM Motorsport, celle de William Legrand. Ensuite, Paul Filot, 13e place Fabrice Piaia, Laurent Bougasi 14e et Sébastien Garcia. Et 15e, on est plutôt pas mal au niveau du timing. Ça risque d'être très chaud, comme on dit dans le métier. On va se caler. Les voitures arrivent, ils sont juste à quelques mètres de notre cabine. Nous, on est sur la partie gauche de votre écran. Vous allez voir le complexe des cabines derrière la chicane. Voilà, nous sommes juste là derrière, devant les petites fenêtres. Coucou sur la gauche de l'écran. Allez, il faut se replacer à deux lignes. Ça va être compliqué. Et au passage de la ligne, on va être parti pour cette manche ici au Canada. Allez, tout le monde est bien en place. Ça se passe bien au niveau de la procédure. Et c'est parti, drapeau vert ici à Montréal. On roule avec un bon départ de David L'Espèce. Derrière Anthony Hadd, ça a été un peu plus compliqué. Attention, les freinages derrière. Ça se passe sans coup férir. On est avec Olivier Vignon qui a perdu une place au détriment de Romain Thomas. Le reste du peloton s'élance plutôt bien. Attention pour Philo, c'était compliqué. Allez, devant. Pas de gros changements si ce n'est la place cédée par Olivier Vignon. Oh, la Ferrari semble lente. On embarque avec Julien Rosé et sa BMW. Alors que devant, Anthony Hadd, c'est déjà à son affaire. Oh, et malheureusement, il y a peut-être un changement. Ouais, les gommes ne sont pas les mêmes et ça se passe mal pour la voiture d'Olivier Vignon qui n'est pas à son affaire dans ses premiers hectomètres. Il va falloir réagir vite, ça n'est pas trop tard. Et l'attaque devant, et ça doit céder pour Olivier Vignon qui laisse passer une position et peut-être une deuxième au détriment du pilote français Logan Joyeux dans les rétroviseurs de la Ferrari. Départ très compliqué pour le pilote du Real Championship.
Et c'est déjà deux positions de perdues. On arrive à l'épingle du fond. Et la meute semble être partie sans trop de soucis. Quelques patinages pour les Aston Martin en fin de peloton. En tête, David Lespès mène pour l'instant sans gros soucis. On va voir s'il y a l'aspiration. La Ferrari peut se défendre. On sait que le moteur de la BMW est l'un des plus véloces ici. Le passage de la chicane avec tout le peloton. Et ça s'est bien passé. Premier tour couvert donc toujours sous le commandement de David Lespès. Et Olivier Vignon qui se reprend un petit peu. Thomas Pinotto à l'attaque pour garder le contact avec la BMW de Logan Joyeux. Et aucun drapeau jaune. Pour l'instant, c'est vraiment très très propre. On n'a pas toujours eu droit à un départ aussi coulé de la part de nos amis pilotes. On passe dans le deuxième secteur. Un petit peu, vous voyez les trajectoires des différentes voitures. Ça va arriver sur la partie du troisième secteur. Vous voyez avec Anthony Hans qui est à son affaire. Hein. Il est très très proche de la tête de course. On va embarquer avec le pilote belge. Voilà. La stratégie pneumatique, peut-être qu'on va faire un arrêt de moins du côté de la Ferrari, ça n'est pas impossible. On passe dans le troisième secteur. La paillesse troisième décroché parce que devant Jansk, oh, et qui percute David Lespès. Anthony Hans en tête à queue. Ça, c'était la mauvaise surprise pour le pilote belge qui s'est fait surprendre par le freinage du leader. Et malheureusement, Anthony Hans qui là se retrouve dans un coin un petit peu chaud avec les deux Aston Martin. Et 7ème, peut-être même 8ème place maintenant pour Anthony Hans. Allez, mauvaise performance pour le pilote belge. Là, c'était pas la meilleure chose à faire et il s'est fait surprendre. Alors, il y a de la marge évidemment au championnat, mais c'est le genre de mésaventures qui peuvent vous ruiner une avance. Même si la sienne est conséquente en environ 90 points. Assez serré. Et bien donc, il va falloir maintenant suivre la remontée du leader du championnat. Et bien, Anthony Hans qui a peut-être eu un problème de répartition de freinage. Je ne sais pas, en tout cas. Il se retrouve un peu plus loin dans le peloton. Ça se passe bien pour l'instant. Ici avec Laurent Bougasi, 14e, à la poursuite de Paul Filot. Moins bien classé des BMW pour l'instant. Le pilote de la voiture numéro 11 pour l'instant. Oh, et ça va pousser. Et voilà pour Laurent Bougasi. Et Sébastien Garcia qui va peut-être pouvoir quitter le poste de la lanterne rouge. Pourquoi pas prendre la 14e place. En tête, David Lespès qui maintenant a un boulevard devant lui. La 2e place pour Nicolas Payès. La 3e pour Romain Thomas. Oh, Yann qui est déjà en train de remonter. On le voit ici. Le pilote belge qui, on va voir comment il va freiner cette fois-ci. Eh, c'est un petit peu mieux quand même hein, que la dernière fois. Derrière Logan Joyeux. Les deux machines allemandes qui se suivent à l'aspiration devant le transpondeur pour la troisième, quatrième fois ce soir. L'attaque peut-être d'Anthony Hans en bout de ligne droite. Ça bloque les roues pour le pilote belge. Ah oui, il faut pas s'énerver parce que c'est comme ça que l'on perd du temps. Et elle est loin d'être finie cette épreuve pour le pilote belge. Et bien pour vous donner un petit aperçu au niveau des chronos, c'est toujours David Lespès, le pilote le plus rapide en 1:35-203. Et l'attaque d'Anthony Hans qui s'empare de la 6e position. Logan Joyeux n'a rien pu faire. Il doit avoir un peu d'énervement dans le chef du pilote belge. Alors si d'aventure il parvient à remonter jusqu'au podium, ça pourrait être l'occasion de lui demander ce qui a capoté dans ce freinage.
Oh, c'était large. C'était très large pour Olivier Vignon. Prochain objectif d'Anthony Jans. Vous le voyez dans le fond de l'image. La BMW qui arrive. La voilà. On va voir les voitures attaquer le vibreur maintenant. De la dernière chicane. Vous voyez les écarts qui commencent à grandir. Hein, plusieurs secondes. Vous l'avez sur la partie gauche de l'écran. Les écarts en temps réel entre chacune des voitures et le lap timing avec les écarts au passage du transpondeur. Ah, est-ce qu'on nous annoncerait pas une remontée à la Lewis Hamilton au Grand Prix de Belgique? Tiens, tiens, pour Anthony Jans, c'est intéressant. Sixième, le pilote belge. Et Olivier Vignon qui résiste. Ah, drapeau jaune dans le premier secteur, à mon avis. Il y a dû avoir du... Ah, voilà, et Laurent Bougazzi qui est parti à la faute. Alors, on n'a pas vu ce qui s'est passé. Le pilote des Galactiques qui se retrouve en tête à queue dans le premier S. Ça se resserre pour la troisième place entre Romain Thomas et Julien Rosé. À l'épingle du fond. La voiture numéro 16 qui peut peut-être profiter de l'aspiration. On ne sait pas où on en est au niveau des réglages non plus. Derrière, on suit également l'attaque d'Anthony Jans sur Olivier Vignon. C'est un petit peu loin, le pilote BMW. Par contre, là, ici, les deux pilotes sont très, très proches pour la troisième place. Oh, ça s'est loupé au niveau de la chicane. Ça va mieux ressortir pour Julien Rosé. Oh, Jans qui est proche du mur derrière aussi. Est-ce que Julien Rosé peut compléter sa manœuvre pour s'emparer de la position? Et oui. Avec Romain Thomas, désormais quatrième de cette épreuve. C'était tendu. Olivier Vignon, cinquième. Ça resserre évidemment. Alors il y a des pilotes plus rapides qui sont derrière. Des pilotes plus lents. Ça risque d'être chaud. Et dans la réalisation qui ne proposera pas de ralenti. Cette fois-ci, navré. Et Anthony Jans qui est très proche. Là, il est très très chaud. Oh, est-ce qu'il peut aller chercher la Ferrari? Oh, il le pousse hors trajectoire. Jans qui va croiser peut-être. Petit push sur Olivier Vignon pour lui faire comprendre que ça ne va pas assez vite au goût du leader du championnat. À l'extérieur. Bon, si ça peut passer ici. Et oui, la Ferrari qui se laisse dépasser. Et qui cède ainsi son top 5 du côté de la tête de course. En caméra embarquée avec David Lespèce qui va conclure. Un nouveau tour ici, devant Nicolas Payès qui ne bouge pas avec sa Ferrari. Deuxième, par contre, la 3, 4, 5 et 6e place. Il y a pour l'instant explication. Alors, il faudrait jeter un coup d'œil au niveau des gommes montées. Oh, et ça a coupé la chicane pour Olivier Vignon. Olivier Vignon qui a coupé la chicane mais sans réellement gagner quelque chose. Thomas Pinotto qui est bien sorti de cette même chicane pour s'emparer peut-être de la 7ème place. On va voir ça au bout de la ligne droite. Oh, le contact avec la voiture de Logan Joyeux. Ce qui ne l'empêche pas de freiner convenablement. Paul Filot 13ème. Qui remonte tout doucement sur Fabrice Piaia. Devant, Julien Rosé semble désormais bien installé au troisième rang. Les Aston Martin qui tout doucement observent la course. BMW qui vont être ensemble. Alors combien de tours va mettre Anthony Jans à revenir sur ses petits camarades? Et Gilles Châtelain qui vient de se faire dépasser par David Delassalle. Et Gilles Châtelain qui ne semble plus au NGO effectivement.
les dixièmes. Il vient de céder sa position à David Delasalle. En tête, un nouveau tour couvert pour David Lespeski. Depuis, le tête à queue d'Anthony Hans ne semble plus être perturbé. Par contre, derrière, là, c'est très chaud. C'est très chaud entre les trois BMW. On joue la troisième marche du podium entre Julien Rosé, Romain Thomas et Anthony Hans. Et il leur reste 1h18 pour se décider. Allez, on prend place à bord de la voiture d'Anthony Hans. Oh, ça bloque les roues. Ça bloque les roues pour la voiture 42. Romain Thomas. Sous pression. Ça a protégé l'intérieur, évidemment. Pour Hans, qui est très très proche. Attention, il s'est déjà fait piéger ce soir au freinage. Hans. Je pense qu'on va prendre quelques... un dixième de seconde de précaution au cas où, en cas de freinage derrière une autre voiture pour le Belge ce soir. Il a eu sa dose de frayeur. Pas de dégâts, semble-t-il, sur la voiture. Ce ne sera pas pour cette fois-ci. Oh, et c'est parti tout seul à la faute devant pour la voiture de Julien Rosé. Ça les met maintenant tous les trois ensemble, évidemment. Allez, avec Anthony Hans, vous voyez les deux voitures devant. Ce pilote belge, toujours en tête du championnat, mais. Il a déjà remonté sur le podium. En tout cas, ils sont là. Tous ensemble, 3, 4, 5, à s'aspirer. Olivier Vignon légèrement décroché. Ils sont en une seconde et même moins, les trois là. Oui. Oh, Hans qui repousse une nouvelle fois un de ses pilotes devant lui. Ça a commencé à faire beaucoup là, hein. Alors peut-être que c'est un souci au niveau de la répartition du freinage sur cette BMW, on ne sait pas. Mais il a l'air d'être à chaque fois à tâtons sur chacun des freinages, le pilote belge. Même si ça ne l'empêche pas d'être particulièrement agressif dans les rétroviseurs de la voiture de Romain Thomas. Et Julien Rosé qui s'était loupé à l'épingle. Peut-être les freins et les pneus qui commencent à avoir un petit souci. Je serai présent au World Series Renault, oui, bien entendu, à Spa. Alors, revenons à ce qui se passe en piste, parce qu'il y a de l'action. Et là, les trois BMW nous offriront de belles photos, hein, en bord de piste. D'ailleurs, pour retrouver les photos, elle est sur la page du GTE Series. L'attaque ! Et ça passe pour la voiture de Romain Thomas et Anthony Hans qui va en profiter pour passer également. C'est fait. Et Julien Rosé qui vient de perdre deux positions en l'espace d'un virage. Attention parce qu'il n'a pas dit son dernier mot. Et Hans là qui doit laisser la place. Oh, que ça va être serré. Freinage de la chicane. Le contact entre les deux voitures au moment de toucher les freins. Oh, il a failli la perdre là. Oh, il est en vrac complet. Le pauvre Julien Rosé. Ouais, sa course perturbée par visiblement des problèmes de pneumatique. Il glisse. Et du coup, Hans, cinquième. Belle résistance de Julien Rosé, mais on le sent sur des œufs, hein, le pilote de la voiture numéro 16. Drapeau jaune dans le troisième secteur, que s'est-il passé? Ouais, tête à queue pour Gilles Châtelain, on en parlait justement. Le pilote qui avait quitté la NGO Racing, selon certains sur le chat, et il n'en est rien, il y est toujours. On donne ainsi la confirmation, et bien voilà, petite surprise au freinage. A-t-il été aidé? La voiture semble toujours en ligne. Retour sur la lutte pour la troisième marche du podium entre Romain Thomas, qui semble maintenant bien accroché à sa troisième place, du moins pour l'instant. Mais pour combien de temps la quatrième va-t-elle rester à Julien Rosé? Nouvelle attaque d'Anthony Hans, qui va tenter de se porter à la hauteur de son homologue chez BMW. Oh, et le contact avec Anthony Hans! C'est la deuxième BMW qui part en tête à queue. Deux accidents, moins de 10 tours pour Anthony Hans. Ça ne va pas ce soir pour le pilote belge. Que se passe-t-il? Alors il y a des soirs où ça ne va pas. Et qui a tiré les marrons du feu? C'est la Ferrari d'Olivier Vignon, qui se retrouve quatrième. Voilà. Et bien voilà, il suffit d'être un petit peu patient et opportuniste parfois. Quatrième place pour Olivier Vignon. Mais que se passe-t-il?
Alors, est-ce que Julien Rosé peut malgré tout reprendre l'avantage sur Olivier Vignon? Ça semble être un petit peu mieux, mais alors là, Antonia, je ne sais pas ce qu'il a mangé ce soir, mais ça n'a pas l'air d'être sa soirée. Rentrée difficile pour le team Spirit Racing. Sans doute des problèmes de balance sur cette voiture. En tout cas, les freinages sont assez hasardeux et dès qu'il faut attaquer, les changements de ligne sont parfois un petit peu compliqués. En tout cas, en fin de peloton, c'est la lutte également avec Sébastien Garcia. Il tente de s'emparer de la 13e place d'une Aston Martin bien lente. Elle est bien lente, la voiture 13e, celle de Gilles Châtelain depuis son tête à queue. Est-ce que la Ferrari peut avoir une opportunité de dépassement? À gauche ou à droite, il va falloir choisir parce que là, sinon, ça va aller au contact. La voiture numéro 74 qui ne porte pas d'attaque pour l'instant, on reste sage. Alors que Olivier Vignon et Julien Rosé, ça reste la foire d'empoigne pour la fin de cette épreuve. 1h13, oh, le blocage de roue! Pas la première fois que Vignon bloque dans ce deuxième secteur. Ferrari est très à l'affût. Alors on commence à bloquer les roues pour certains. Et on est tous en pneus médium là pour l'instant. Les trois pilotes à l'image sont en pneus à bande blanche. C'est pas fini cette épreuve de Montréal. Loin de là. Avec Julien Rosé. L'attaque au freinage. Oh, c'est peut-être un peu présomptueux là. Il reste à l'intérieur. Non. On passe très très près de ce mur des champions. Yanns maintenant, toujours 6ème. Et c'est très chaud, hein. C'est très chaud. Oh, est-ce qu'on n'aurait pas perdu Julien Rosé? Est-ce qu'on vient pas d'assister à un dépop de Julien Rosé? Ou est-ce qu'il va revenir? Peut-être réapparaître d'ici quelques secondes. En tout cas, pour nous, il n'est plus là. Le live timing nous indique que Rosé est toujours présent parmi nous. Le voilà 6ème. Il a glissé. Alors Yanns à la lutte pour le 4ème rang maintenant. Eh bien cette course se passe plutôt bien si vous venez de nous rejoindre. 1h30 de compétition déjà. 19 minutes d'écoulées dans cette épreuve et il s'en est déjà passé quelque chose avec Anthony Yanns qui n'est pas dans un bon jour mais qui tente de sauver les meubles. Avec peut-être un nouveau coup à l'épingle, non. Et décidément, il y en a beaucoup qui commencent à bloquer. Beaucoup de pilotes qui commencent à bloquer leur roue dans cette épingle du fond. Il y a un léger regroupement au milieu de peloton. En tête, un point avec David Lespès au commandement qui va conclure le 12e tour de course devant Nicolas Payès. Ceux-là sont dans un no man's land complet. Romain Thomas, 3e au prix d'une belle bagarre avec Julien Rosé et Anthony Yanns qui sont désormais derrière Olivier Vignon qui tient la 4e place qui était la sienne sur la grille de départ ici à Montréal. 5e Anthony Yanns qui lui partait 2e. Julien Rosé, 6e. Et ensuite, on a Logan Joyeux et Thomas Pinotto qui se battent pour la 7e position. Tout ce petit monde est en train de se rapprocher au fur et à mesure des tours. Vous voyez, ils sont tous quasiment dans la même image. Derrière David de la Salle qui se bat à quelques dixièmes d'avance face à William Legrand. Fabrice Piaia, Paul Filho, l'un des derniers arrivants dans ce championnat. 12e avec la dernière BMW en piste. Et ensuite, tout le reste du peloton. Allez, on reste avec la lutte pour le pied de podium entre Anthony Yanns et Olivier Vignon. Les deux pilotes qui ne se lâchent pas depuis quelques tours. On a failli avoir quelque chose. On a failli se passer difficilement. Donc deux têtes à queue pour Anthony Yanns ce soir. Alors qu'on n'est même pas au tiers de l'épreuve, rendez-vous compte. 20 minutes pleines depuis le début. Ouais, de nouveau un freinage tardif pour Yanns. Ça ne va pas du tout pour le pilote BMW. Il vient de décrocher du coup. Face à Olivier Vignon qui va peut-être pouvoir freiner un peu plus facilement maintenant sans bloquer forcément ses roues au bout de la ligne droite. On rappelle que le tour le plus rapide est toujours à mettre au titre de David Lespès. Paul Mann est leader ce soir, 1:35.203 pour lui. Alors regardez, ça se resserre également derrière pour Thomas Pinotto à la poursuite de Logan Joyeux. Et bonsoir aux derniers arrivants sur le chat. Merci d'avoir choisi de passer votre mercredi soir en notre compagnie. Il y a
la rentrée de la FFSCA cette semaine avant de laisser place à la Porsche Super Cup mercredi prochain si tout va bien. Allez, Anthony Hans qui doit se ressaisir. Il lui reste un peu moins d'une heure dix pour remettre les pendules à l'heure. Et David de la Salle qui se protège toujours face à William Legrand. Oh, et William Legrand qui a failli se mettre tout seul, comme on dit, dedans, avec la Porsche du pilote de la Generation Motorsport Competition. On profite un petit peu du son de la voiture en caméra embarquée. Voilà pour ces quelques encablures avec le moteur de la Porsche. Alors Anthony Hans toujours à la lutte. Oh, et Anthony Hans en tête à queue et le contact, l'accident. Et ça devait finir par arriver évidemment. Et Anthony Hans qui va pouvoir rentrer au box, mais il a emmené avec lui la voiture de Logan Joyeux. Non, c'est Julien Rosé, pardon. Il n'a pas l'air d'avoir de dégâts. Mais quelle course d'Anthony Hans qui n'est pas du tout à son affaire. J'ai été surpris. Je ne m'attendais pas à le voir aussi optimiste sur les vibreurs. On en parlait avec David L'Espèce après la qualification. Ah, quelle surprise cet accident. Pas du tout prévu. Et regardez les dégâts sur la BMW. Va falloir travailler sur cette voiture. Il y a un capot et un aileron arrière à remettre. Il y a surtout des débris en piste. Oh, et Sébastien Garcia qui est dans le mur. Et il s'en passe des choses. Attention, Sébastien Garcia dans le mur à l'entrée des box. De surcoup, va opter pour un arrêt au stand. Ah, je pense qu'il va y avoir des explications post-course. J'ai l'impression qu'il y a des débris aussi dans les droites de retour. Ah, bah, du coup, tout cela nous éparpille un petit peu les luttes. Allez, ça repart pour Anthony Hans. C'est qu'une voiture qui doit être droite. Ça en a tout l'air en tout cas. Mais là, Hans, c'est un week-end à oublier. Quoi qu'il arrive, pas de pôle. Et probablement pas de victoire pour le pilote belge. Alors, Nicolas Payès, deuxième qui conclut un nouveau tour. Romain Thomas est finalement le survivant de l'enfer de la lutte pour la troisième position. On la voit très rigide cette BMW sur les bosses nombreuses que compte cette piste. Gilles Villeneuve. Olivier Vignon qui bloque toujours autant ses roues. Et derrière, bah, ça se resserre toujours pour la cinquième place. Avec Julien Rosé, peut-être touché dans l'accident avec Anthony Hans. En tout cas, il a pilé sous le nez de Julien Rosé. Ça ne va pas pour Hans ce soir. C'est indéniable désormais avec cet accident. Alors qu'on a vu, je pense, une seule fois dans ce championnat, le Belge à la faute. C'était dans un des derniers virages de la manche de la Nordschleife début de saison. Et là, Thomas Pinotto qui a commis une petite erreur et qui s'est retrouvé en tête à queue, très rapidement corrigé. Ah oui, il est 14e et seul au monde, mais dites-vous qu'un safety car et tout ça peut être regroupé. Hein. Parfois pas grand-chose pour changer la physionomie d'une course. Et Logan Joyeux toujours à la poursuite du top 5 et de Julien Rosé. David L'Espèce qui conclut un nouveau tour ici avec une avance de quasiment 10 secondes sur Nicolas Payès.
toujours des grosses difficultés pour Thomas Pinotto qui en sortie de virage glisse beaucoup. Nous sommes à bord de l'Aston Martin désormais. On va voir si en sortie de virage cette voiture glisse beaucoup. Ah, c'est pas stable, hein, c'est pas stable à la relance. Contrairement à ce que nous disait par exemple David Lespèce avec la BMW. C'est ici tout à l'heure que c'était parti à la faute. Ça semble mieux passer cette fois-ci. Retour sur la lutte pour la 5ème place avec Julien Rosé. Vous êtes sur la vitre arrière, la lunette arrière de la voiture de Julien Rosé, poursuivi par Logan Joyeux. Dans ce troisième secteur. Et c'est très très chaud hein, pour l'instant. À ce stade-ci de l'épreuve, difficile de donner un podium, même si ça commence à se dessiner. Ah, la relance un peu plus compliquée hein, pour Logan Joyeux. Hein, qui perd beaucoup dans le troisième secteur. Là où Julien Rosé reprend l'avantage. Avec Logan Joyeux, cette fois-ci. Et visiblement, Anthony Yann qui est de nouveau au box. Eh oui, nouvel arrêt au stand pour Anthony Yann. Peut-être une pénalité à purger de drive-through. Pas impossible. En tout cas, sa course là est définitivement terminée avec maintenant un tour de retard et il repart dans la lutte. Rendez-vous compte avec ceux dont il se battait pour la même place tout à l'heure. Et malheureusement, cette fois-ci, c'est avec un tour de retard que Yann se retrouve. Alors, est-ce qu'il peut aller se dédoubler ou est-ce que les drapeaux bleus vont l'en empêcher? On découvrira ça dans les prochaines boucles. Hormis Yann, personne n'a stoppé. Si ce n'est Sébastien Garcia pour les mêmes soucis techniques. Oh là, gros coup de correction qu'a dû donner Olivier Vignon là, la voiture commence à glisser. Et ça semble plutôt calme pour l'instant sur cette piste. 14ème place donc pour Anthony Yans. On reprend les écarts en temps réel sur le haut de l'écran. Pour l'instant, la seule lutte réelle en piste est celle pour la 4ème place. Voire même la 5ème navrée, avec Julien Rosé qui doit défendre face à un Logan Joyeux qui perd tous ses efforts dans le dernier secteur. Un manque de vitesse de pointe, peut-être un peu plus d'appui, ce qui serait logique, ce qui expliquerait qu'il serait plus à l'aise dans le 2 et 3ème secteur. Dans le 1er et 2ème secteur, pardon. Alors, le tiers de l'épreuve est désormais atteint. Encore une heure de compétition. Et toujours 15 pilotes en course, mais avec pas mal de contre-temps hein, pour les habituels leaders. David Delassalle qui fait un très beau chrono, 1.36.9, c'est son meilleur tour absolu, il vient de le réaliser. Au passage du transpondeur avec Logan Joyeux désormais. Julien Rosé qui bloque toujours ses roues. C'est pas la première fois ce soir que l'on constate ça. Il ne reste plus qu'à espérer pour Anthony Yann, c'est éventuellement que le reste du peloton effectue un arrêt. Ça lui permettrait de revenir déjà dans un même tour, puisqu'on est parti en pneu dur hein, pour Anthony Yann, donc ça va aller au bout quoi qu'il arrive. Ça ne bouge plus. Ça bouge pour Sébastien Garcia qui vient de perdre son capot et qui doit couper par le gravier.
ça ne va pas pour Sébastien Garcia. Deux arrêts, deux tours de retard désormais. Ça ne va pas du tout pour la Ferrari. Peut-être qu'elle n'est plus tout à fait d'équerre. On embarque tant qu'il est encore temps. Et drapeau jaune dans le premier secteur. Que s'est-il passé? Oh, et Romain Thomas dans le gravier. Et c'était où ça? Ah, c'était dans le secteur de la deuxième chicane. Et le podium pour Olivier Vignon qui remonte évidemment. Alors est-ce que Logan Joyeux doit se tracasser de défendre face à Anthony Hans? Je ne pense pas réellement. Et voici Olivier Vignon, donc troisième de cette épreuve. Incroyable. Course d'élimination, mais par faute, tout simplement. Jans va aller attaquer, c'est pas improbable. Il peut le faire, hein, le pilote belge. Arrêt au stand de Fabrice Piaia désormais. Jans, 14e, à la poursuite. De lui-même avant tout. Pour remonter. Et des supporters du Real Championship sur le chat, ça fait plaisir. Yates qui se fait très très pressant et qui grâce à l'arrêt de Fabrice Piaia se retrouve 13e désormais. David Lespèce qui mène toujours cette épreuve alors qu'il revient sur l'une des Ferrari retardée, celle de Laurent Bougazzi. Deuxième place toujours pour Nicolas Payès. Troisième, Olivier Vignon. Peut-être là le podium d'Olivier Vignon. Près du bien au Real Championship. Et derrière, c'est un petit peu décroché pour Logan Joyeux qui, à force de regarder dans ses rétroviseurs, oublie que devant lui, il y a une voiture à aller chercher. Un petit peu dommage, mais pour l'instant, eh bien, cela fait les affaires de Julien Rosé. Bougazzi qui vient de se faire prendre un tour par le leader, David Lespèce, inarrêtable, il tourne comme une horloge. Hein. Alors, Jans, le retour, attention à ne pas aller maintenant en étant 13e, perturber la course de Logan Joyeux. Logan Joyeux, rappelez-vous, c'est celui qui faisait des merveilles en début de saison avec une Viper. L'américaine très coupleuse qui se retrouve du coup au garage. C'est très drôle de suivre donc Jans qui est 13e et... la voiture devant lui. Ah, Julien Rosé qui boxe. L'arrêt au stand pour Julien Rosé. On s'en doutait après les soucis. Et le petit passage par le bac à gravier pour le pilote de la Blue Sky. Il chute au 9e rang. Et bientôt au 10e puisque Gilles Châtelain va le dépasser. Oui, c'est maintenant sûr. Bastien Garcia de nouveau dans les box. Troisième arrêt, je pense, pour le pilote du Suzuki X-Star Racing. Thomas 4e qui peut lorgner encore sur un podium, hein, ça n'est pas terminé. En pneu médium tous ces garçons, on le rappelle. Logan Joyeux, 5e toujours. Mais qui décroche au fur et à mesure du temps. Oh, il y en a un qui a failli décrocher là, c'est Romain Thomas. La voiture qui a failli lui échapper. Et toujours délicat la chicane pour Thomas Pinotto. Je patiente pour le voir arriver parce qu'il a l'air toujours en difficulté dans ce secteur. Fabrice Piaia allègrement sur les vibreurs. Ça commence à s'éterniser pour Sébastien Garcia.
peut-être la fin des espoirs de Sébastien Garcia. William Legrand, 8e avec la seule Porsche, toujours en piste. Avec désormais plus de 10 secondes d'avance, on voit mal ce qui pourrait perturber David L'Espèce. Bien entendu, tout peut arriver, mais là, sauf erreur, on voit mal Nicolas Paillès remonter avec plus de 10 secondes de retard. La Ferrari est véloce, mais la BMW sur un tour est plus rapide. Et pour l'instant, c'est quand même 2 contre 1 pour les Ferrari sur le podium. Alors qu'elles ne sont que 2 à pouvoir réellement se battre pour ce dernier. Avec Nicolas Paillès et Olivier Vignon. Et au jeu des arrêts au stand, Paul Filot qui fait son entrée dans le top 10. Avec la BMW. On a frôlé le mur de nouveau pour Romain Thomas. Qui revient. Il revient tout doucement sur la Ferrari. Il gagne 10e après 10e. Et toujours ce blocage de roue pour Olivier Vignon. Ça se rapproche tout doucement. Olivier Vignon qui voit grandir dans ses rétroviseurs la BMW de Romain Thomas. Attention parce que avec la pression, un petit freinage loupé, il en faut pas plus. Ouais, attention là, la dérobade évidemment déventée la BMW. Attention, l'épingle du fond, c'est pour l'instant trop loin pour porter une attaque, mais simplement pour se montrer. La BMW qui a failli échapper à Romain Thomas. Les Ferrari qui tiennent effectivement la dragée haute à leurs adversaires pour l'instant 2 et 3. Et ça rentre, ça boxe pour la voiture de Romain Thomas. Et drapeau jaune dans le premier secteur. Que s'est-il passé? C'est Laurent Bougazzi parti une nouvelle fois à la faute dans le premier S. C'est assez dommage. Et l'abandon finalement pour Sébastien Garcia, premier pilote à se retirer ce soir. Et David L'Espèce qui commence à remonter sur des pilotes retardés. En la personne de Paul Filot. Nicolas Paillès deuxième. Et du coup Olivier Vignon troisième. Est-ce qu'on va également s'arrêter du côté de Vignon? Dans ce cas-là, l'undercut, on va dire ça comme ça, réalisé par Julien Rosé pourrait être. Par Romain Thomas, pardon, pourrait être bénéfique. Le capot avant de cette Aston Martin est manquant. C'est bien dommage. Et Romain Thomas qui part septième. Huitième, mais je pense qu'il peut repasser septième. Je ne dis pas de bêtises, oh ça va être serré, ça va être serré. Oui, il est 7ème devant l'Aston Martin, bel arrêt pour le compte de Romain Thomas. A voir maintenant quand va stopper son adversaire direct. Qui est pour l'instant 3ème, la Ferrari, la voilà d'Olivier Vignon, est-ce que ça va boxer? Et non, ça poursuit pour Olivier Vignon qui ne prend pas la voie des box. On va faire un point sur le nombre de pilotes ayant effectué un arrêt au box. Et donc Romain Thomas, un stop, Julien Rosé et Thomas Pinotto, et également comme Fabrice Piaia. Pour les autres, ça continue. Alors est-ce que effectivement on opterait pour une stratégie à un arrêt ? Côté d'Olivier Vignon, ce serait la bonne chose, mais à force de rouler avec ces vieux pneus-là et bloquer ses roues,
ce qu'il fait depuis quelques tours, il pourrait éventuellement subir l'undercut réalisé par Julien Rosé. À moins de 50 minutes de l'arrivée, on est proche de la mi-course. Vous voyez, ça bloque beaucoup hein, pour Olivier Vignon. Jusque là ça va, mais ça va peut-être commencer à être de trop. Et en plus il revient sur un retardataire. Thomas Pinotto est au box toujours. On ira vérifier ça, c'est ce que nous indique la minimap en tout cas. Cette dernière n'est peut-être pas forcément bien à jour. On suit toujours Olivier Vignon, hein. C'est celui qui nous intéresse le plus devant. Ça ne bouge pas. Et Paul Filot qui fait son meilleur tour en course pour l'instant d'une 38-512. Ça améliore. À combien de temps pour 4 pneus neufs et essence? Eh bien ça varie tellement que je ne saurais pas vous donner cette information à mon grand regret. Je pensais qu'on pourrait aller au bout avec les pneumatiques dures, mais comme tout le monde est parti en médium, les pneus à bande blanche que vous voyez ici, par exemple sur la BMW de Logan Joyeux, eh bien on ne sait pas ce qu'il en est. Alors attention parce qu'Olivier Vignon, voilà, qui dépasse. On peut faire rire la Ferrari retardée. Anthony Hans, 14e, qui espère que devant lui ça va stopper. Regardez. Il est parfois compliqué de se faire une place avec les pilotes plus lents. Fabrice Piaia qui ici s'était effacé. Et plus de lutte directe. On est dans une phase où on se demande si on va boxer au nombre de pilotes. Ça poursuit pour le leader, toujours pas d'arrêt. On va peut-être aller plus loin que le cap de la mi-course pour David Lespèce et Nicolas Payès. On suit la Ferrari qui perd du temps, mais qui poursuit. Et Olivier Vignon donc. Intéressant de voir les chronos. La différence de chrono, où est-ce qu'on en est avec... avec Olivier Vignon qui tourne pour l'instant en 1:37.4 alors que Julien Rosé est en 1:36.5. Donc il y a quasiment une seconde de différence alors que derrière c'est parti à la faute pour je crois Laurent Bougazzi. Et oui c'est Laurent Bougazzi qui de nouveau s'est fait piéger par l'herbe. Je puis m'exprimer ainsi et eh bien ça tourne une seconde plus vite. Alors du côté du Real Championship, est-ce qu'on va opter pour un arrêt? Dans ce cas là il ne faudrait pas tout simplement perdre trop de temps parce qu'à une raison d'une seconde au tour la différence va vite être faite avec Julien Rosé. William Legrand 6e également au jeu des arrêts au box. Romain Thomas 7e. Il faut suivre ce pilote qui tourne pour l'instant aux alentours d'une 35 au tour alors qu'il était en lutte avec Olivier Vignon 3e qui lui n'a pas encore opéré d'arrêt au stand et qui lui tourne en beaucoup plus. Il est en une 37 aux dernières nouvelles. On va voir à l'issue de ce tour si ça va pourquoi pas rentrer. On sera à 45 minutes, ce serait juste la mi-course. Et peut-être beaucoup d'appui pour Olivier Vignon. Ah, drapeau jaune dans le troisième secteur. Il est allé nous faire une petite figure. C'est Laurent Bougazzi. Alors, est-ce que cette voiture est de travers ou est-ce qu'elle est vraiment compliquée à piloter? Il va falloir laisser passer Laurent Bougazzi alors que devant, Fabrice Piaia va se faire prendre un tour. Et il s'écarte sans coup faire rire. Et il se replace derrière la BMW. Parce que, eh bien, Laurent Bougazzi revient, mais il y a des tours de différence entre ces deux voitures. En tête, pour l'instant, pas de réelle lutte. Et pour tout vous dire, derrière non plus.
Je pense que Fabrice Piaia est avec Laurent Bougasi, les deux pilotes les plus proches actuellement en piste. Et David L'Espèce toujours en tête. On embarque pour un tour complet, sauf s'il se passe quelque chose, bien entendu. Avec le leader, montez le son, les amis. Et il suffit de dire ça pour qu'il y ait drapeau jaune dans le premier secteur. Oh, et c'est une Porsche qui s'est loupée. La Porsche qui est dans le mur. Attention, attention. Alors qu'il y a des arrêts également. William Legrand. Cette voiture est stoppée en piste et à un très mauvais endroit. En pleine trajectoire, la voiture doit repartir. Non, c'est la marche arrière qu'il faut mettre là. Sinon, ça ne va pas aller. Et alors, eh bien, c'est terminé pour William Legrand qui, je pense, n'avait pas mappé sa marche arrière, tout simplement. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Gilles Châtelain au box. On vient de déposer la belle anglaise au sol avec, vous le voyez, des gommes tendres, les pneus à flanc jaune. Et on va bientôt libérer la bête. Le pilote suisse qui va pouvoir repartir. Et donc deuxième abandon de la soirée pour William Legrand, bloqué contre le mur avec une boîte de vitesse récalcitrante, pas de marche arrière et donc c'est terminé. Et le pilote du NGO Racing Academy qui reprend la piste au 12e rang, drapeau jaune dans le 3e secteur, c'est encore Laurent Bougasi. On ne va plus s'y attarder pour l'heure. Et l'arrêt au stand d'Olivier Vignon effectivement. Olivier Vignon qui stoppe, alors où va-t-il repartir alors que derrière dans la ligne droite c'est chaud. Et c'est passé pour Julien Rosé et Romain Thomas. Romain Thomas 5ème, l'undercut a fonctionné pour le pilote BMW. Le voilà Romain Thomas qui est passé devant Olivier Vignon qui se retrouve 6ème et qui va peut-être même perdre un tour puisque vous le voyez dans le bas de l'image, le leader David L'Espèce revient 31 tours couverts alors que le cap de la mi-course est bien sûr passé. On va refaire un point avec donc David L'Espèce en tête, Nicolas Payès, toujours pas d'arrêt pour ces pilotes là, Logan Joyeux 3ème. On va peut-être montrer d'ailleurs le nombre d'arrêts. Logan Joyeux qui n'a pas stoppé. David Delassalle n'a pas stoppé non plus, mais lui est en pneu dur. En pneu médium, pardon. La cinquième place donc pour Romain Thomas, premier pilote à avoir observé un arrêt dans cette épreuve. Et lui est reparti en pneu à bande blanche. Oui, les pneus médiums. Ensuite, Olivier Vignon, qu'a-t-il choisi comme gomme? Les pneus médiums également. La 7ème place de Julien Rosé, qui lui, je pense, est également en gomme médium, c'est confirmé. Paul Philo n'a pas stoppé, ce qui explique son classement. Il est 8ème avec toujours ses pneus médiums. La 9ème place pour Thomas Pinotto, en médium. Et Anthony Hans qui est reparti en tendre après un 3ème arrêt. Mais il est dans les points, il est 10ème. Gilles Châtelain, 11ème, qui lui est reparti avec les gommes tendres. Vous voyez les bandes blanches, qui vont aussi plutôt bien à l'Aston Martin. Fabrice Piaia, 12ème. Laurent Bougasi, 13ème. Et l'abandon pour William Legrand et Sébastien Garcia. David L'Espèce aux prises avec ce qu'on pourrait qualifier de retardataire, en tout cas des pilotes qui sont derrière lui au classement. On va faire ça de cette manière-là pour le coup. Et ça s'écarte pour Laurent Bougasi évidemment. Les drapeaux bleus qui font leur office. Allez, on repart sur les écarts en temps réel. Vous voyez que quasiment tout le monde va avoir pris un tour hein, dans la vue de notre cher ami David L'Espèce qui doit, je pense, effectivement observer un arrêt, mais pour l'instant, les gommes tiennent. Alors, si vous souhaitez retrouver l'ensemble des vidéos, ça se trouve dans la description, évidemment, les tuiles sous le live Twitch. Vous pourrez retrouver la chaîne YouTube ainsi que les réseaux sociaux et le petit logo FFSCA pour découvrir le site et vous inscrire, pourquoi pas, si vous souhaitez tenter votre chance et rejoindre ce peloton avec, pourquoi pas, le GT3 en vue de 2017. Olivier Vignon, 6ème, donc, qui a perdu
au jeu de l'Undercut avec lequel Romain Thomas a joué. Le voilà, vous voyez la différence, Romain Thomas. Première voiture sur l'écran et la Ferrari rouge dans le fond. C'est les tours supplémentaires qu'a passé Olivier Vignon en piste qui lui ont coûté cet écart. Et on pensait qu'il allait repartir en pneu tendre, mais non, on est reparti en médium sur la Ferrari. Très très dur cette Ferrari. Et Anthony Yann, ce dixième. Et plus de lutte directement sur cette piste. On va attendre que les derniers pilotes de tête aient fait leur arrêt au box. Et bien joué. Allez, cette fois-ci, on va tenter d'embarquer un petit peu avec le leader. Histoire que vous voyez un petit peu comment tout cela se passe. En caméra embarquée avec l'homme le plus rapide en piste. Allez, on était avec le leader David Lespèce pendant un peu plus d'un demi-tour sur cette piste. Gilles Villeneuve au Canada qui nous accueille donc pour la 8e et techniquement la 6e manche de ce championnat. C'est la reprise après 2 mois d'interruption. Les pilotes qui ont été faire bronzette en juillet et août. Ça reprend également avec la Porsche Super Cup la semaine prochaine. Ça remonte. Et l'arrêt au stand finalement pour Logan Joyeux. Intéressant. Que va-t-on monter sur cette BMW? Va-t-on choisir des pneus tendres? Ce qui serait logique. Vu les 36 minutes restantes, ça pourrait le faire. Ça donnerait une belle différence de performance sur le reste des pilotes autour de lui. On voit De La Salle passer dans la pit lane. Et Logan Joyeux qui tombe au 4ème rang et De La Salle 3ème, mais il n'a pas encore effectué un seul arrêt, David De La Salle. Le voilà donc 3ème, 4ème, Logan Joyeux. 5ème maintenant, 7ème maintenant. Ça continue parce que Julien Rosé va passer devant nous. Le voici. On s'est pas fait. C'est pas fait du tout. Il va falloir regarder au bout de la pit lane qui va ressortir devant l'autre. Et si, finalement, Julien Rosé sort devant. Et drapeau bleu, vous le voyez, les lumières qui clignotent en bord de piste. Logan Joyeux va perdre beaucoup de temps là derrière la Ferrari. Il y a du mal de s'écarter et finalement, c'est fait. Mais Logan Joyeux qui aura perdu quelques secondes derrière la voiture de Laurent Bougasi. Finalement, David De La Salle qui est troisième. On n'a pas vu ce qu'on a remonté sur la voiture de Julien Rosé. Mais par contre, sur celle de Logan Joyeux, c'est encore des pneus médiums. Et je ne comprends pas pourquoi les pneus tendres n'ont pas été retenus. David De La Salle, troisième avec ses pneus médiums. Et sa box, on s'y attendait. De La Salle. Effectivement, vous pouvez participer. Et l'arrêt au stand du leader.
L'arrêt au stand du leader, David L'Espèce qui boxe. Vous découvrez la voiture du leader au box, ça c'est intéressant. Alors Nicolas Payès qui revient normalement, on va voir où il en est au niveau de l'écart. Ouais, ça boxe aussi pour Nicolas Payès, justement. Il y a les deux hommes de tête au box, même dans la même image, ils vont stopper l'un derrière l'autre. Voilà. On s'arrête pas au même endroit chez BMW et Ferrari. On garde les pneus chauds chez BMW au soleil. Allez. Oh, et l'arrêt qui était plus court du côté de Nicolas Payès qui reprend donc la tête de l'épreuve. Et on est parti de très très loin pour David L'Espèce parce que là il perd beaucoup de temps. Et donc voici Nicolas Payès en tête désormais, la Ferrari qui a repris les commandes de cette épreuve au détriment de David L'Espèce. Romain Thomas n'est seulement qu'à la sortie de l'épingle. Eh bien dites-moi. Alors pour votre information, nous évoluons toujours sur la version 1098 d'Air Factor 2. Donc la build qui n'a toujours pas été switchée sur Steam. Pour ceux dont ça intéresserait de nous rejoindre. Et donc le changement suite aux arrêts au stand, eh bien c'est Nicolas Payès reparti en tête. Une Ferrari va mener l'épreuve pour la première fois au passage du transpondeur. Et Nicolas Payès qui se retrouve donc au commandement avec une belle marche sur David L'Espèce. Troisième, Romain Thomas. Et quatrième, Olivier Vignon. Cinquième, Julien Rosé. Sixième, Logan Joyeux, que l'on voit plusieurs fois depuis le début de l'épreuve, assez gourmand sur le premier gauche. Thomas Pinotto, septième. Et l'arrêt de Paul Philo, l'un des derniers à observer son arrêt au stand. La BMW qui stoppe. Et on monte des gommes neuves sur la Bavaroise. Et ça va glisser pour Paul Philo. Et Anthony Hans qui va récupérer par la même occasion la 9ème place au général. Alors qu'on va entrer dans le dernier tiers de cette course. Voilà. Et les points qui vont s'envoler petit à petit. On n'a pas fini l'arrêt au stand chez BMW. Et ça passe donc pour Gilles Châtelain qui s'empare de la 10ème place. Oh, derrière Laurent Bougazzi qui a du mal. C'est compliqué pour Laurent Bougazzi. Voilà, et les appels de phare de la BMW légitimes parce que là, c'est parfois difficile de s'écarter au drapeau bleu. Oh, et de nouveau le tête à queue. Mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas sur cette voiture. C'est incroyable, chaque freinage est très délicat. Attention, parce que du coup, de la salle qui est ressorti 8ème. Oh, et le mur pour Olivier Vignon dans le deuxième virage. Attention, la fatigue qui commence peut-être à se faire sentir. Bon, toujours pas de nouvelles. Voilà, de Paul Philo, est-ce qu'il est reparti 12ème avec des pneus tendres? Oui, enfin, un pilote qui a opté pour des gommes tendres. Et nous sommes officiellement, voilà, à 30 minutes de la fin de cette nouvelle manche du championnat GTE Series. Donc vous pouvez retrouver la VOD sur YouTube, évidemment, dès demain. Puis la technique tient le coup. On va parler trop vite. Alors attention, parce que les drapeaux bleus, là, de la salle ne s'est pas écarté. Et pourtant, drapeau bleu, il y a... Et Nicolas Payès qui passe. Et il a perdu du temps, Nicolas Payès, avec de la salle. La BMW numéro 5, toute jaune vêtue, qui a été un petit peu bloquée. David L'Espèce se retrouve donc deuxième de cette épreuve. Le Poleman, on le rappelle. Romain Thomas, troisième. Quatrième, Olivier Vignon. Cinquième, Julien Rosé. Et Logan Joyeux qui revient sur Julien Rosé pour peut-être glaner un top 5.
être un beau résultat pour l'ex-pilote Viper. Le passage dans le championnat Porsche Super Cup a une livrée très belge. Pour le plus grand plaisir de nos amis du plan pays. Et Laurent Bougazzi qui a, je pense, comme seul objectif ce soir de la ramener au bout, cette Ferrari. Après les nombreuses incartades dans l'herbe. Alors, le retour peut-être de David Lespès. Au niveau des chronos, on en est où au niveau de l'écart? On tourne en 1.35.2 pour David Lespès. 1.34.849 pour David Lespès. Tour le plus rapide à l'instant pour le pilote BMW. Et il tourne, oui, 2 secondes pleines plus rapidement que la Ferrari. Et de Nicolas Payès, serait-ce de bon augure pour avoir une arrivée au scratch entre les deux pilotes? Ça peut être chaud, hein. Pas terminé, c'est pas terminé. Avec les retardataires, ça peut peut-être se jouer. En tout cas, Olivier Vignon qui continue de réajuster la géométrie de sa Ferrari en fond d'écran. Dans le seul but de ramener une troisième place au niveau des derniers tours effectués. On est en 1.36.5 et 1.36.4. Les mêmes chronos pour Olivier Vignon et Romain Thomas. Ça ne bouge pas. Oh là là, c'est compliqué là le freinage pour Julien Rosé. Se faire rattraper par Logan Joyeux. La BMW numéro 15. De la salle qui réalise son meilleur tour en course, une 36-660 pour le pilote BMW avec des pneus neufs. Le voici, il vient de passer le transpondeur. Il vient surtout de laisser passer le leader de cette course. Il est coincé entre les deux leaders, Nicolas Payès en tête à l'issue des 40 tours couverts jusque-là. Et David Lespès, deuxième. Et entre les deux, eh bien, il y a notre ami de la salle. Alors... Bonsoir aux derniers arrivants sur le chat, vous êtes les bienvenus évidemment. Pour vivre les 25, bientôt dernières minutes de cette épreuve de Montréal. Course qui aura été surprenante dans un sens et assez calme dans un autre. La Ferrari au commandement. C'est un petit peu la surprise que doit se dire David Lespès, mais il remonte, hein, il remonte. Et l'écart se réduit. Et alors que dans le chat, l'éternel débat Assetto Corsa Project Cars reprend vie. Ça faisait longtemps. En tout cas, le Blue Sky Racing qui fait pour l'instant une bonne opération. Troisième socle du podium québécois qui n'est pas encore non plus attribué. Olivier Vignon qui reste proche de Romain Thomas, même s'il n'y a plus réellement bagarre. Là par contre, bagarre il y a. De nouveau Logan Joyeux pour le top 5. Avec Julien Rosé qui tourne quand même plus vite finalement. Une 36-7 et une 37 pour Thomas Pinotto. Une 36-6, une 36-7. Ouais, on est dans les mêmes chronos pour les deux garçons. David Lespès toujours titulaire du tour le plus rapide en 1.34.849.
Et un nouveau tour conclu dans la lutte pour le top 5. Est-ce que Julien Rosé va résister encore 24 minutes? Ça semble difficile. Les deux BM l'une derrière l'autre. Et ça se rapproche tout doucement au niveau des chronos. Une 34 pour David L'Espèce et toujours une 36 pour Nicolas Payès. On est 2 secondes quasiment plus rapidement au tour pour la BMW. Oh, et le tête à queue de Julien Rosé. C'est dommage, alors qu'il était sous la pression de Logan Joyeux. Eh bien, la pression a fait son office et il se retrouve cinquième maintenant, le pilote belge. Eh bien, quel dommage pour Julien Rosé. Il se retrouve donc sixième. Mais bon, Thomas Binotto n'est pas encore une réelle menace. Par contre, David L'Espèce est une réelle menace pour Nicolas Payès. Ces deux-là vont nous emmener dans une belle bagarre, je pense, jusqu'à la fin de cette épreuve canadienne. Et là, ils sont maintenant ensemble 2 secondes autour de mieux pour la BMW. Est-ce que le moteur de l'Allemande va lui permettre de récupérer la tête de course? Même type de pneus, mais les pneus plus frais pour l'Allemande. Et on joue la victoire ici entre David L'Espèce et Nicolas Payès. Il ne faut pas se précipiter pour la voiture numéro 51. Et il faut résister à tout prix pour la 31. d'écart avec Romain Thomas, rendez-vous compte. Que c'est chaud. Allez, en caméra embarquée. Oh, et David L'Espèce qui profite d'un freinage un peu approximatif de Nicolas Payès. David L'Espèce deuxième, mais pour combien de temps? La messe se semble dite également pour la troisième place, mais par contre pour la victoire, va falloir la trouver cette ouverture sur la Ferrari. Est-ce qu'une attaque à l'épingle serait raisonnable? Pourquoi pas? On sait que c'est un des spots les plus appréciés pour dépasser. Et la BM est bonne en vitesse de pointe, mais la Ferrari freine bien mieux alors. Serait-ce pour maintenant? David L'Espèce joue la victoire. Non, c'est beaucoup trop loin pour porter une attaque. Il a du temps, il a 21 minutes. Peut-être 12-15 tours, pas plus, mais attention non plus à ne pas surchauffer l'aspiration. Ça y est, là il est collé à la Ferrari, le moteur va faire le reste. Il va falloir choisir son côté, sa défense. A choisi la droite pour la Ferrari, la gauche pour la BMW. Est-ce que le moteur est possiblement plus puissant? Ça semble pas fait. Oui, non, oui. Et c'est passé. David L'Espèce qui reprend son dû. La tête de course maintenant. La Ferrari est blottie à l'aspiration. Bon, peut-être pour un retour dans le premier freinage. Faut pas perdre de temps. Oui, il passe à l'intérieur. Pas la place. À bord de la voiture de Nicolas Payès pour la tête de course. Attention parce que si ces deux-là s'éliminent, ça peut être Romain Thomas qui l'emporte avec Olivier Vignon deuxième et Logan Joyeux troisième. On ne leur souhaite pas évidemment, mais difficile maintenant pour Nicolas Payès de revenir puisque la BMW est naturellement plus rapide avec ses pneus plus frais. Et donc logiquement, l'arrêt plus tardif de la BMW qui lui aura été positif. Et retour en tête donc à moins de 20 minutes de l'arrivée de David L'Espèce. Et Nicolas Payès qui aura donc mené pendant un peu plus d'un tiers de cette épreuve. Alors, la troisième place de cette course fait débat sur le chat. Alors, Olivier qui irait chercher la troisième place. Ça semble un petit peu compromis au vu
des chronos, surtout que là il a perdu beaucoup de temps dans le deuxième secteur, plus d'une seconde, drapeau jaune dans le troisième secteur. Que s'est-il passé? Oh, et je pense que la BMW là serait bien allée nous faire une petite escapade au-delà de la piste. Ouais, Julien Rosé, sixième, mais je pense que la BMW là est allée à la faute. Au niveau de la chicane, c'est pas la première fois, il y a quelques tours, Logan Joyeux avait réussi à s'emparer de la position de Julien Rosé, qui vient de nouveau donc de commettre un petit écart. Ça ne bouge plus dans le peloton. La seule lutte réellement, même s'il est terminé, serait-on tenté de dire, serait la différence avec la Ferrari qui, vous voyez, a beaucoup plus de mal à relancer avec des pneus en fin de vie. Et Anthony Hans qui va donc quand même terminer à la 9ème place, qui, quand on voit son premier quart d'heure de course, n'est pas mal payé, parce que c'était vraiment pas son week-end. Hein. Le pilote belge ce week-end était vraiment à côté de ses pompes. Ça arrive donc même au meilleur. Gilles Châtelain pourrait faire un joli top 10 avec l'Aston Martin. Oh, attention, là, il y avait drapeau bleu pour Paul Filot. Pas loin du top 10, ce serait bien. Brice Piaia, 11e. Alors, il y a des luttes, mais ce n'est pas pour des positions, c'est plus des luttes pour des places en piste. Avec Thomas Pinotto menacé par la BMW, mais sans réelles intentions au classement final. Voilà, Paul Filot qui semble tirer pleinement parti de ses pneus tendres. Les pneus à bande jaune comparés aux pneus à bande blanche, plus durs que chose, je crois, quasiment l'ensemble du peloton. C'est un des rares à être en pneus tendres. Mais que se serait-il passé si seulement il y avait eu des pneus tendres montés sur la voiture de David Lespès? Ça ne bouge plus vraiment. Hein. Ça ne bouge plus vraiment au classement. Je crois qu'on va rapidement connaître le podium. Seul Olivier Vignon pourrait aller chercher, s'il y a un problème, du côté de Romain Thomas, le podium. Mais hormis cette possibilité-là, ce que l'on ne voit malheureusement pas pour le pilote Ferrari, ça semble terminé. Restez avec nous, évidemment, puisque à l'issue de cette course, vous aurez l'interview des trois premiers pilotes sur le podium. En caméra embarquée avec Olivier Vignon dans le dernier quart d'heure de cette course. Romain Thomas, troisième, qui continue à perdre du temps. On tourne en 1.37, comme pour Olivier Vignon. L'homme le plus rapide en piste reste David Lespès, le seul en 1.35 sur nos écrans. Même Anthony Hans roule en 1.36 pour le moment. Ça passe très très près du mur là pour Romain Thomas. Et on est un peu plus cool du côté d'Olivier Vignon. On se donne un peu plus de marge. Je pense qu'une quatrième place fera du bien au pilote du Real Championship. Anthony Hans, qu'on a l'habitude de voir en tête, sera ce soir 9e de cette épreuve, sauf catastrophe. Gilles Châtelain, 10e, l'autre pilote à avoir opté pour les pneus tendres. Et ça lui va plutôt bien pour l'instant. Fabrice Piaia qui s'écarte. Attention à ne pas trop céder de temps au drapeau bleu, parce que Paul Filot revient
Oh, et Fabrice Piaia qui va perdre une place. Attention, est-ce que Philo était peut-être optimiste? Le contact entre les deux voitures. Et on joue pour la 12e place. La 11e, la même, pardon. La BMW est à l'intérieur normalement. Et c'est passé. La 11e place pour Paul Philo. Bien joué avec les pneus tendres qui fonctionnent bien. La 10e place sera impossible à aller chercher à la régulière, mais belle performance. Il n'y a plus réellement de lutte hein. À ce stade-ci de la course. Tout le monde va, se satisfaire de rallier l'arrivée. Avec finalement deux abandons. Sébastien Garcia en début d'épreuve et ensuite... Oh, il ne l'a pas vu dans ses rétroviseurs. Attention. Parce que là, Paul Philo, il a le leader dans ses rétroviseurs. Il va même voilà freiner bien au large à l'épingle du fond. C'est toujours mieux que de gêner, finalement. Deuxième place pour Nicolas Paillès. Ça attaque malgré tout pour David Lespès. Il ne ménage pas ses efforts. 12 minutes au chrono et 49 tours couverts ici à Montréal. Le prochain arrêt de ces GTE Series, ce sera à Spa-Francorchamps sur les terres d'Anthony Yans le 21 septembre, dans deux semaines. Allez, ça se défile peut-être pour Olivier Vignon. Le retour de l'Aston Martin, c'est peut-être pas sport là de faire ça du côté de l'Aston Martin. Attention à pas louper son freinage là parce qu'on est sur une quatrième place pour Olivier Vignon. Ce serait vraiment pas de bol. En plus, c'est la moins bien classée des Aston, celle de Gilles Châtelain. Fait une belle course. Dixième place pour l'Aston Martin. C'est une belle place. Derrière, ça ne bouge pas. Et ça ne bougera plus même, je pense. En tout cas, un week-end qui aurait été bien mouvementé pour notamment Anthony Yans. On rappelle qu'il a été percuté par une autre BMW en tout début d'épreuve. Avec, semble-t-il, des problèmes de balance sur les freins. Il était très, très, très délicat. Sur les freinages, drapeau jaune. Ah, attention, c'est David Delassalle qui est allé faire un petit tête-à-queue dans l'herbe. Et qui revient derrière. Anthony Yans, pardi, le pilote belge. Ouais, ça bloque les roues pour Yans. Et on frôle ce mur des champions. Les 10 dernières minutes de cette épreuve. Avant l'abaissement du drapeau à damier. Et peut-être qu'Anthony Yans va pouvoir aller chercher une 8ème place avec ses pneus tendres. Ses pneus durs, pardon. Qu'il a chaussé en début d'épreuve. Et 6 secondes d'écart entre David Lespès et Nicolas Paillès. Romain Thomas complète toujours ce podium. Et
Olivier Vignon qui remonte. On va jeter un coup d'œil au niveau des chronos. Et Olivier Vignon qui tourne en 1.36, là où Romain Thomas est en 1.37. Alors, le podium n'est peut-être pas encore entendu, contrairement à ce qu'on a pu croire il y a quelques minutes. La Ferrari remonte. Est-ce qu'on aura deux italiennes sur ce podium ou deux allemandes? Faites vos jeux. Allez, on embarque avec Olivier Vignon pour profiter un maximum de cette Ferrari avant la fin de cette épreuve à la chasse du podium et surtout et de Romain Thomas. Et elle glisse, cette Ferrari, elle glisse. Mais elle va vite. Le dernier tour, 1.36 contre 1.38 pour Romain Thomas. Est-ce que les pneus ne sont pas en train de s'écrouler pour la BMW? Ce serait dommage. Allez, à bord de la BMW. De Romain Thomas avec la Ferrari d'Olivier Vignon au premier plan. Ça chasse, ça s'aspire presque. Oh, ça bloque légèrement les roues et on est limite hein, sur les chicanes au niveau de la BMW qui va percuter le mur et il n'en faut pas plus. À la Ferrari pour s'emparer peut-être de la troisième place, c'est fait. La troisième place pour Olivier Vignon. Attention, il reste 6 minutes. Et bien voilà, je pense que Romain Thomas a été surtout surpris par la qualité restante de ses pneumatiques drapeau jaune dans le deuxième secteur qui est là. Oh, et c'est Paul Filot. Ah, malheureusement, Paul Filot alors qu'il était 11e. Et le moteur de la BM semble repartir. Quel dommage pour Paul Filot qui perd donc une place. Même deux, est-ce que ça va pouvoir repartir? C'est dommage, c'est vraiment dommage à quelques minutes de la fin de cette épreuve. Et Anthony Jans qui est passé devant De La Salle, mais De La Salle est plus rapide. Est-ce qu'il va pouvoir aller récupérer la place que Jans vient de lui prendre? Il se passe des choses dans les dernières minutes, là, ça a été un peu calme, même trop. Et là, ça barre dedans pas mal de côtés, c'est, je pense, terminé. Et non, Paul Filot qui a pu repartir, fort heureusement, il terminera sa première course. Oh, et tête à queue pour la voiture numéro 16, c'est Julien Rosé. Et le mur pour Julien Rosé. Attention, les pilotes qui sont en train de flancher. Il va rester moins de 5 minutes dans cette épreuve. Et comme souvent, c'est dans les derniers instants qu'il se passe beaucoup de choses avec des pilotes fatigués et des pneus en bout de course. Attention, puisqu'on a Thomas Pinotto qui pourrait montrer de quoi l'Aston Martin est capable et pourrait remonter surtout au 6e rang. Alors, un petit point sur l'avant-course quand même, parce que bon... ça bouge beaucoup. À 5 minutes de la fin, David Espèce en tête. Ça n'a pas changé devant Nicolas Payet. Olivier Vignon s'est emparé de la 3e place. Et ça, ça fait plaisir. Après une belle bagarre avec Romain Thomas. Logan Joyeux, 5e solide. 6e Julien Rosé. Mais, la voiture est blessée pour Julien Rosé. Est-ce que Thomas Pinotto va avoir pendant les 5 dernières minutes l'opportunité d'aller rechercher la BMW? On va vérifier. Les chronos en temps réel, vous l'avez également sur le live timing. Pour nous, Logan Joyeux, tour le plus rapide, personnel bien entendu. 1.36.190 pour le pilote BMW. Et on va aller au bout, quoi qu'il arrive, on va aller au bout pour Julien Rosé après ce passage par les box.
Attention parce que là, il va pas y avoir beaucoup d'adhérents sur le train avant, mais ça a l'air de tenir. 4 minutes 20 dans cette épreuve et le contact avec le mur pour Gilles Châtelain. Il va aller lécher les Armco. La lutte toujours avec Anthony Yann, c'est de la salle, il se lâche plus ces deux-là. Ah non, de la salle qui est battu. Yanns qui, je pense, sera 8e de cette épreuve. Mais on reste avec Julien Rosé dans les 4 dernières minutes. Allez, on se réveille un petit peu, les amis, parce que là, je pense que la BMW va résister, mais à moins d'une grosse faute, ça va être compliqué. La tête de course pour David Espèce qui va rentrer dans, je pense, l'avant-dernier tour de ce soir. Romain Thomas 4e. On ne sait pas ce qui s'est passé hein, dans ce deuxième virage avec Rosé. Et ceux qui avaient effectivement pronostiqué Olivier Vignon sur la troisième marche devaient parier gros il y a quelques minutes. Mais finalement, le regain d'énergie de la Ferrari a été justifié notamment par ses pneumatiques. Alors derrière il n'y a plus grand chose malheureusement. Est-ce que non, j'avais pensé que Laurent Bougazzi allait stopper et Nicolas Baillez deuxième. Ça ne bougera pas, attention, parce que Romain Thomas est quatrième et derrière eh bien l'Aston Martin pourrait revenir, mais attention à ne pas aller s'auto-éliminer. Et parce que là la voiture numéro 42 qui est de Romain Thomas qui est tout sauf à l'aise là hein. Les BMW qui souffrent de leur pneumatique en fin d'épreuve. Et qui est-ce, la deuxième voiture du NGO Racing Team? C'est Gilles Châtelain. On va revenir. 2 minutes 10 dans cette épreuve. Ça va tenir, je pense, pour Julien Rosé. Julien Rosé est dans le dernier tour et on consulte notre tableau 36-8. Donc ça va, il ne perd pas tant que ça. Le pilote BMW qui s'en sort plutôt bien. David Espèce en tête. Ça ne bougera pas, sauf problème sur l'allemande. Et on va tout doucement se diriger vers le dernier tour de course. Il y a un capot. Et je me demande s'il n'est pas à De La Salle, ce capot. Je ne sais pas si De La Salle aurait pas perdu un capot. Et oui, voilà. Il y avait un capot jaune sur le premier virage. Et ben, on est allé, le deuxième virage, pardon. On est allé toucher le mur pour De La Salle. Et ça explique pourquoi Gilles Châtelain fait le forcing, hein, mais ça ne sera pas suffisant. Et voilà, donc De La Salle 9e. Anthony Yann, c'est désormais en sécurité. Il sera 8e de cette épreuve. 1 minute 15 et c'est donc le dernier tour de course que vient d'entamer David L'Espèce et sa BMW. Baillez également dans le dernier tour. Ça va être un peu plus long pour Olivier Vignon. Yann, ce qui est passé, est-ce que De La Salle va pouvoir continuer? Attention, ça va être dur de freiner. Oui, voilà. Oh, il va rentrer au box. Non, il faut continuer. Il faut continuer. Parce que Gilles Châtelain, 10e, pourrait ne pas savoir rattraper la BMW blessée. Elle a l'air d'être en crabe, cette voiture. Elle tire un petit peu. Et il est au ralenti. Et Gilles Châtelain qui sort maintenant de l'épingle du fond. Est-ce que ça peut le faire pour Gilles Châtelain? On va tenir ça à l'œil. On va également tenir la tête de course. Bien à l'œil avec David L'Espèce qui va remporter cette épreuve québécoise ici au circuit Gilles Villeneuve. Sous le sec, sous le soleil, pas de changement de météo. 29 degrés de bout en bout, une piste gommée, très bosselée. Pendant un instant, c'est Nicolas Paillès qui espérait remporter cette épreuve, mais la BMW a su se raviser avec des gommes plus fraîches. Et dernier tour officiellement annoncé par la direction de course. Et le dernier freinage, il va pouvoir prendre ses aises, David L'Espèce. Voilà, aucun risque ne sera pris, victoire plus que probable maintenant, voilà, de la BMW numéro 51 qui s'impose sous le drapeau à damier, victoire de David L'Espèce ici à Montréal. Air Factor 2 a cessé de fonctionner, très drôle ça. C'est toujours la même chose, bah voilà, bah écoutez, c'est terminé. Formidable, bah écoutez, on se retrouve d'ici quelques instants pour un podium.
qui va être plutôt pas mal. Allez, à tout de suite pour le podium de cette épreuve. Et de retour en cabine avec le podium de ce soir. Bonsoir, rebonsoir messieurs. Bonsoir. Salut. Et bien voilà, on se retrouve donc avec les trois premiers. Donc David L'Espèce vainqueur, Nicolas Payès deuxième et Olivier Vignon troisième. On commence comme à l'habitude dans l'ordre inverse du podium. Olivier, bonsoir. Bonsoir. Alors, une course qui n'aura pas été de tout repos et un podium que tu es allé chercher dans les dernières minutes. Au prix d'une lutte avec les BMW qui était plutôt intense. Raconte-nous un petit peu cette manche canadienne. Je suis assez mal parti, j'ai perdu deux places, je crois, avec Julien et Romain, je crois. Je perds deux places et puis après, je fais ma course calquée sur ce que j'avais prévu de m'arrêter au 30e, un peu après la mi-course, et puis finir avec des pneus plus frais. J'ai fait exactement ce que j'avais prévu, puis je pensais pas rattraper Romain parce qu'il était quand même un petit peu plus vite que moi, et sur le premier relais il avait bien géré ses pneus, et par contre en fin de deuxième relais je sais pas si ses pneus qui sont écroulés quoi, j'ai pu revenir, j'ai vu qu'il sur les les 10-15 dernières minutes il était un peu écroulé quoi. Il avait plus d'essence en fait. Ah, il avait plus d'essence. Ah oui, d'accord. Ok, donc on va expliquer la baisse de régime parce qu'on a vu beaucoup de BMW en difficulté avec leurs pneus arrière tout au long de la course. Mais effectivement, si c'était pneumatique, d'accord, mais là c'était une question d'essence. Merci pour la précision. D'accord, ok. Il s'en sort bien finalement, Romain, avec la quatrième place. C'est correct. Logan était de toute façon trop loin pour venir le rechercher à la régulière, je pense. Même si le dernier tour a été compliqué, hein. Il a terminé en 1:55, donc il était vraiment beaucoup plus lent que les pilotes qui l'entouraient. Écoute, félicitations pour ce podium, un petit peu de chance, enfin, on a envie de dire, parce que c'est pas la première fois que tu te fais shipper un bon résultat par manque de chance ou un problème technique, donc c'est de bon augure pour une deuxième partie de saison un peu plus heureuse pour toi. Ouais, on va essayer, ouais, on va voir. On espère. Spa. Ouais, ça va bien se passer. Ça va être bien, Spa. Ouais. Je sens déjà le sourire sur les lèvres des gens quand tu dis Spa. C'est un vrai bonheur. Écoute, merci Olivier pour ton retour et félicitations donc pour ce podium. Merci. Enfin bien mérité. Et c'est
d'autres que tu aurais dû avoir avant, mais celui-là, on ne pourra pas te l'enlever, à moins que la direction de course te tombe dessus, mais ça, je ne peux rien dire. Mais félicitations en tout cas pour cette troisième place. Merci à toi. Merci. On passe à Nicolas Paillès, deuxième de cette épreuve, qui a pendant un temps mené avec sa Ferrari. On le voyait aller au bout et finalement, petit à petit, eh bien, David est revenu et a remporté cette course. Vous êtes bien battus quand même, messieurs. Mais Nicolas, raconte-nous un petit peu comment tu as vécu cette course avec la stratégie, les pneus et surtout la lutte avec les BMW. Difficilement, on va dire, parce que les BM, je sais qu'elles étaient plus rapides, enfin du moins ce que je voyais sur les chronos avec David et Anthony. Et le Canada, en fait, c'est pas du tout un circuit fait pour la Ferrari, du fait que c'est un circuit qui est très bosselé, et il y a beaucoup de lignes droites, donc ça demande quand même pas mal au niveau du moteur, et puis qu'ils ont un châssis assez souple, tu vois, et c'est pas la Ferrari, elle a ce problème-là, en fait. Elle a le problème de sautiller, en fait, sur les bosses, ce qui fait que sur les freinages, c'est tendu, on est sans arrêt en train de rechercher le grip. Donc, j'étais pas tout à fait à l'aise avec mon setup. Et je me suis dit, je vais économiser parce que je vais économiser les pneus et puis, tenter ma chance, quoi, du moins. Et moi aussi j'y croyais au bout d'un moment, et puis quand j'ai vu revenir, j'ai dit non, ça va pas passer. Et je savais que comme il avait le moteur, j'ai dit en ligne droite il va me bouffer, et voilà, c'est ce qui s'est passé. Je pouvais pas contrer, en fait. Et puis bon, j'allais pas gâcher ma deuxième place, en fait, pour à force de trop le bloquer, quoi, en fait, hein. Ouais, en surpilotant, on aurait ou risqué un contact ou que ce soit moi qui me sors tout seul comme un grand. Et donc je préférais privilégier le fait que je sois deuxième et puis laisser la victoire à David. D'ailleurs, bravo à lui, hein, pour sa belle victoire, belle performance. Merci. David, on va y venir dans un instant, mais oui, effectivement, belle performance. On n'y croyait pas au retour. On a vu la Ferrari au jeu des arrêts passer devant, on s'est dit ça va aller au bout. Bien joué, finalement. Et finalement, oui, les pneus se sont écroulés. Écoute, une voiture qui n'était pas forcément à l'aise, un circuit qui ne convenait pas, une deuxième place, c'est plutôt pas mal comme résultat, finalement. Oui, au contraire, oui, ça me satisfait pleinement, hein, bien sûr. Hein. Après, je me fais pas d'illusions, c'est la reprise, donc il faut que le tank se mette, tout le monde se mette dans le bain un peu. Anthony a eu du mal d'ailleurs, Anthony Jans. On voit souvent premier, il a eu beaucoup de mal là, ce coup-là. Et pourtant, bon, il avait l'air assez à l'aise avec la voiture, mais c'est le fait de la reprise, en fait. Mais on l'a senti très délicat sur les freinages. On avait l'impression qu'il y avait un problème de balance sur cette voiture à chaque fois. Il touchait les freins, mais on sentait que c'était pas précis, pas régulier au fur et à mesure des tours. Il n'y avait pas quelque chose de régulier, en tout cas des points de freinage semblables, etc. Et on a l'impression que c'était le premier tour qu'il faisait avec ce setup à chaque fois, et c'était assez perturbant. On a rarement vu Anthony comme ça. Lui disait. Voilà, même lui disait qu'il était comme ça. C'est quelque chose de perturbant. Donc, au final, bon, il s'en est sorti, je crois, 8e si je regarde mon classement. Donc, il y a eu pas mal de moments chauds. Il y a eu un accident. Il a perdu son aileron, son capot. Il a pu repartir avec une voiture droite, ce qui n'était pas toujours possible. Ouais. Donc, il s'en est, je pense, bien sorti malgré tout. Mais bon, il a une sacrée avance, quoi. Qui a fondu un petit peu, malgré tout, mais il faut avoir à pas répéter trop ça, et bien se remettre dans ce deuxième championnat, cette deuxième moitié de championnat. Bon, c'est pas Francorchamps, je pense qu'Anthony... Oui, mais je pense pas que... Voilà, oui. Voilà. Puis les BM, là-dessus, je pense qu'elles vont... Elles vont très bien marcher, là. À mon avis, je pense que tout ce qui est Ferrari, ça va être encore loin derrière. On verra. Si vous êtes loin derrière comme aujourd'hui, ça nous promet une belle bagarre, parce que vous étiez pas si loin que ça, finalement. Et puis il y a de beaux freinages qui conviennent à la Ferrari, hein. On pense le bus stop. Loin par rapport à David, si, hein, quand même, parce que David, je sais pas, il devait me prendre quasiment 5-6 dixièmes par tour, quoi. Donc ça allait vite. Hein. À un moment donné, en fin de relais, il tournait quasiment 2 secondes plus vite, quoi. Donc oui. C'est assez conséquent. En tout cas, Nicolas, félicitations pour cette deuxième place. Merci à toi pour tes quelques mots et ton temps. Et merci à toi aussi. Allez, on va passer à David, vainqueur du soir. Poleman également, on le rappelle, tout à l'heure sur cette piste Gilles Villeneuve au Canada. Donc une course qui s'est déroulée avec une stratégie bien menée, pas trop de gêne, je pense, au niveau des retardataires, même si quelques-uns nous ont fait quelques frayeurs de part et d'autre du premier freinage et de la chicane, mais ça a l'air de s'être bien passé. David, raconte-nous comment tu as vécu, toi, cette course qui t'a amené jusqu'à la victoire, et notamment ta gestion de la stratégie par rapport à Nicolas. Eh ben écoute, ça s'est super bien passé, hein, clairement. Bon, j'ai été bien aidé par le fait qu'Anthony au final ait fait une erreur très très rapidement au deuxième ou au troisième tour, je crois. Je pense qu'il a freiné au panneau trop tard et du coup qu'il a voulu essayer de m'éviter, donc du coup il est parti en tête à queue. Il a évité beaucoup de monde, hein, il a eu
C'est pas se moquer, mais il était effectivement très tard sur les freins de nombreuses fois. Ouais. Après, je fais juste une petite parenthèse là. Je sais pas si tu sais, mais il y a eu une mise à jour du mode là pendant l'été. Il y a eu une grosse mise à jour et en fait la BM s'est retrouvée quand même bien plus délicate sur les freins. C'est vrai qu'elle est plus délicate sur les freins que la Corvette par exemple ou que la Viper hein, que nous on utilisait avant. C'est moins facile. Donc la balance de frein est pas facile à trouver sur cette voiture. Ouais, on l'a vu avec Anthony, oui, qui a eu du mal, je pense. Ouais, il revient, mais c'est l'exemple le plus concret qu'on a vu ce soir. Donc, comme ça, les gens voient bien de quoi on parle. J'ai pu faire ma stratégie, relativement tranquillement. Je pensais que Nicolas était sur la même stratégie que moi, mais bon, il m'a fait un petit coup de strat en ne changeant pas les pneus, je pense, hein, Nico. On tente, hein. Ouais, t'entends rien à rien. Non, mais t'as bien fait. Je pense que j'aurais fait la même, mais donc je savais qu'avec les pneus neufs, j'allais revenir très vite sur lui. Après, bon, il fallait arriver à doubler, quoi. C'était pas forcément ce qu'il y a de plus facile malgré les grosses lignes droites sur ce circuit. Mais bon, voilà, ça s'est bien passé. Une fois que j'ai vu passer Nicolas. Bon, j'avais vu que j'avais des pneus plus frais, c'était relativement tranquille jusqu'à la fin de la course. Une fin de course tranquille. Alors les retardataires, ça s'est passé comment? Parce qu'on a vu que dans certains secteurs c'était compliqué, on a vu une Porsche qui était à la dérive, on a vu des Ferrari qui glissaient pas mal. Pas trop de soucis ici parce qu'on sait que c'est un circuit qui est réputé pour être entre guillemets semi-urbain, c'est-à-dire qu'en sortie de virage il y a beaucoup de murs qui sont très proches, mur des champions, troisième virage, etc. Ça s'est bien passé la gestion des retardataires parce qu'on a vu que quelquefois c'était un petit peu compliqué. Oui, non, ça s'est bien passé. L'avantage ici c'est que t'as des grosses lignes droites donc en général il n'y a pas trop de problèmes au niveau des retardataires. Juste voilà, ce qui vous fait rien, c'est les éventuels obstacles hein, qui se dressent sur la route qui sont pas forcément prévus au programme. Il y a eu William, je crois, il y a eu mon équipier Julien, oui. qui m'en a fait une aussi en fin de course, il m'a fait un petit peu peur. Mais non, globalement ça s'est bien passé, il y a pas eu de soucis là-dessus. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que les commissaires auront des souvenirs hein, à Montréal parce qu'il y a eu des morceaux partout ce soir. Ils auront de quoi ramener et mettre sur la cheminée, ce sera magnifique. Écoute, David, merci beaucoup. Félicitations pour cette victoire ici à Montréal. Bien joué à la stratégie, messieurs, bien tenté. C'était un petit peu faible. On espère qu'il y aura quelques voitures en plus à Spa. Hein. Évidemment, ce sera toujours mieux. Plus on est de fous, plus on rit. Mais en tout cas, si la quantité n'était pas là, la qualité, elle, était au rendez-vous. Merci et félicitations à vous, donc le podium de ce Grand Prix du Canada. Et on vous laisse repartir dans vos channels respectifs pour faire eh bien, le débrief de cette manche canadienne. Merci, messieurs. Merci. Merci. Allez, de notre côté, on va conclure cette diffusion. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la Porsche Super Cup. Et si vous voulez voir la prochaine manche qui aura lieu à Spa-Francorchamps, rendez-vous le 21 septembre. Merci à toutes et à tous et à la prochaine. Bonne et douce nuit. Merci à la modération qui a été très présente ce soir. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut !